Et bonjour à tous. Hop, je vérifie que le stream prend. Ouais, ok, parfait. Du coup, on change un petit peu de format, on n'est plus sur notre vélo. Bon, même si le vélo n'est jamais loin, il est juste là, là, sur le côté derrière. aujourd'hui, un stream un peu plus calme, on va dire, où on va juste rebondir sur une vidéo qui vient de sortir. Alors, je ne l'ai pas du tout regardée. Mais elle est intéressante, c'est un sujet que je voulais aborder, c'est un sujet que j'ai appris et étudié quand j'étais en école, du coup, parce que j'ai fait une école de biologie, et du coup, c'est le sujet, vous le voyez dans le titre, c'est la production d'énergie lorsqu'on fait un sport, et notamment des sports d'endurance. Donc là, on va parler de la production d'énergie sur des intervalles de temps de, on va dire, allez, 10 minutes à plusieurs heures. En gros, la glycolyse et ses conséquences. Et alors le but du jeu, pour moi, ça va être de raconter ce dont je me souviens et essayer de deviner ce dont va parler la vidéo de Iron Human. Donc j'ai mis la commande hein, dans le chat. Hop, je vous la renvoie aussi comme ça pour vous renvoyer vers la vidéo qu'on va regarder ensemble et commenter. Et du coup, le but, c'est de regarder s'il y a des choses que j'ai appris différemment. Dans ce cas-là, on fera des vidéos complémentaires. S'il y a des sujets, peut-être, où moi j'ai plus à te dire, ou voilà, où si ça avait des petites parties où je peux rajouter de l'info pour être sûr que tout le monde comprend ce qui se passe, parce que c'est un sujet intéressant mais assez compliqué. Donc si on veut le raccourcir, forcément, on va zapper des étapes et il faut que ça reste compréhensible. Donc voilà, première partie de vidéo, ça va être assez simple. Ça va être je raconte ce dont moi je me rappelle de mes cours de formation d'énergie lorsqu'on fait du sport. Et après, on fera une deuxième vidéo qui sera plus un react, si vous voulez, mais ce serait, on va écouter et voir si c'est clair et voir si ça correspond à ce qu'on pensait, dans ce que la même chose, donc racontée par Iron Human. Donc le but est de faire, sa vidéo est assez longue, elle fait quasiment 3 quarts d'heure, donc le but est de faire une version très courte avec nos souvenirs, et après de passer du coup à ce rect. Et salut Christophe. Donc, je me mets sur mon petit panel de dessin. Hop, je vérifie sur le retour que c'est bon. Du coup, comment ça se présente? Eh bien, ça se présente tout simplement de cette manière, c'est-à-dire que vous avez une cellule. Alors ça va être un schéma schématique, hein. Donc là, vous êtes au milieu de vos muscles, vous avez votre cellule, qui bien sûr est fermée, la membrane est fermée, c'est moi qui ne sais pas dessiner. Du coup, l'énergie que vous utilisez, que vous faites du sport, c'est de l'ATP. Alors ça, je vais le mettre dans un coin parce que ça va être utile tout le temps. L'ATP, c'est un gros mot, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une molécule, adénosine triphosphate. Donc il y a trois groupements phosphates et c'est ces groupements, c'est ces liaisons, c'est ces phosphorylations, c'est ces liaisons qu'on casse, et quand on les casse, elles libèrent de l'énergie qui peut être utilisée par votre corps. Cette ATP a trois liaisons phosphates. Quand on casse une, il n'en reste plus que deux, ça va donner de l'ADP. Donc, c'est pas triphosphate, c'est diphosphate. Et le monophosphate, ben, vous allez pouvoir le deviner, c'est de l'AMP. Donc le but de la manœuvre, quand vous voulez envoyer de l'énergie dans votre corps, c'est de créer cet ATP ici, lorsque votre corps fonctionne. S'il a un signal que oh, vous avez commencé à faire du sport, il faut trouver un moyen de créer de l'ATP. Du coup, comment ça se passe? La forme principale, donc on l'a dit, hein, sur des exercices de durée plusieurs minutes, on va dire, vous avez du glucose qui est ici dans votre cellule et qui, au bout de plusieurs étapes de glycolyse, donc ici c'est la glycolyse, va vous donner un tout petit peu d'ATP. Donc chaque molécule de glucose qui va être glycolysée va donner deux molécules d'ATP et également deux molécules de ce qu'on appelle du pyruvate, qui ressemble un peu à du glucose détruit
Donc c'est normal que leur formule chimique ressemble. Donc ça, c'est ce qu'on a de base dans ce qu'on appelle le cytosol de la cellule. Donc ici, c'est la membrane de la cellule, et ici, c'est un système aqueux, donc assez dilué, etc. Et en même temps, vous avez des éléments qui sont utilisés. Donc vous avez des ce qu'on appelle des coenzymes, si je dis pas de bêtises. Donc une coenzyme, donc le NAD+, qui est consommé lors de cette réaction et qui permet à la réaction de se produire. Et donc le NAD+, lui, il est réduit. Le glucose, lui, il est oxydé. Donc c'est une... on utilise ici de... Donc tout ça, ça va être des transformations de... d'oxydoréduction. Et vous avez obtenir du NADH combiné à du H+. On verra ce que c'est à la limite après, si besoin. Donc voilà comment ça se passe au niveau de la glycolyse. Donc ça, c'est ce qui est... Donc vous avez du glucose qui rentre dans votre cellule, et vous créez un peu d'ATP. Donc 2 d'ATP, ça reste très peu. C'est un moyen très rapide d'en former, mais vous en formez relativement peu. Là, ça devient intéressant, c'est que vous avez d'autres choses qui se passent à l'intérieur, et d'autres choses qui existent à l'intérieur de votre cellule. Vous avez... Alors là, je me la raconte parce que c'est ma spécialité. vous avez des organites inclus à l'intérieur de votre cellule, qui s'appellent les mitochondries, et qui ont une double membrane. Et vous allez me dire, mais comment ça se fait que à l'intérieur d'une membrane, j'ai encore une double membrane? Et bien parce que, en termes d'évolution, ce sont des éléments qui étaient indépendants, on va dire, et qui se sont fait englober. Donc c'est un résidu d'un autre organisme qu'on a maintenant englobé à l'intérieur de nos cellules. Et donc, cet élément ici, il a plein de noms, il a plein de surnoms. Donc le nom, c'est la mitochondrie. Et il y en a plein, hein. J'en dessine une, mais à l'intérieur de chacune de vos cellules, il y en a plein, sauf dans les globules rouges, il n'y en a pas. Du coup, dans toutes les cellules musculaires, vous avez des mitochondries. Quand vous faites de l'entraînement d'ailleurs, zone 2 d'endurance, etc., vous allez avoir tendance à augmenter le nombre de mitochondries par cellule, et surtout, leur agencement va changer pour être plus efficace. C'est ça que vous faites en fait quand vous faites des entraînements d'endurance, vous jouez sur le nombre de mitochondries et leur efficacité, on va dire. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le produit de la première réaction, le pyruvate, lui, il peut rentrer à l'intérieur de la mitochondrie. Non seulement ça, mais aussi le pyruvate peut lui aussi être oxydé, si je dis pas de bêtises. Alors là, c'est la partie où je triche pour pas dire de bêtises. Non, le pyruvate est réduit en lactate. Ah bah oui, ça fait sens, vous allez voir. Donc là, c'est l'inverse, donc c'est une réduction. Vous créez du lactate, donc de lactate, et de ce côté-ci, vous oxydez du NADH. Et donc vous prenez le NADH et vous l'oxydez en NAD+. Et ça, c'est magnifique parce que vous régénérez du coup comme ça le coenzyme qui va pouvoir permettre à la glycolyse de continuer. Donc, si j'ai mis deux lactates, on va mettre un S à lactate. Et le lactate, lui aussi, il peut rentrer dans la mitochondrie. Alors, le pyruvate, il devient un acétyl-CoA. C'est un gros mot, c'est une molécule qui est, comment est-ce qu'on appelle ça, qui intègre du coup le cycle de Krebs. Donc le cycle de Krebs, c'est... ah, c'est cool, salut, pardon, Alexandra, j'étais dans mon explication, du coup j'avais pas vu que t'étais arrivé. Et du coup le cycle de Krebs, on va l'appeler CK, c'est un grand cycle où vous avez... vous rentrez, donc le point de départ, c'est l'oxaloacétate, vous avez toute une série de 10 étapes, on va dire, qui, au global, ce que ça forme 1
GTP si on veut être exact, donc ce qui est un quasi-équivalent d'ATP, donc c'est un... au lieu que ce soit sur une adénosine, c'est sur une autre molécule, mais bon bref, on crée un élément avec trois liaisons phosphate là aussi, donc avec beaucoup d'énergie, mais on en crée un seul. Donc le cycle de Krebs est tout pourri de ce point de vue-là, mais par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il produit énormément de pouvoir réducteur. Donc le pouvoir réducteur, c'est on accumule tout simplement des coenzymes de cette nature, par exemple, donc comme le NADH-H+, le FADH, si je dis pas de bêtises, le coenzyme Q, etc. Et donc, à la fin d'un tour de cycle de Krebs, vous avez accumulé énormément de pouvoir réducteur. Alors, mais vous allez me dire, mais à quoi ça sert? C'est une histoire en 15 étapes, mais c'est une machinerie qui est super bien foutue. Et d'ailleurs, quand on se rend compte du nombre d'étapes qu'il y a, on se demande comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de maladies différentes, etc. Parce que tout doit marcher pour que ça marche de bout en bout. Au niveau de la membrane, parce qu'on a dit que la mitochondrie, il y avait deux membranes, donc il y a un espace intermembranaire entre les deux membranes de la mitochondrie ici, qui va être super utile. Et pourquoi c'est super utile? Parce que ici, donc on a dit que à l'intérieur de la mitochondrie, on avait créé énormément de pouvoir réducteur. Et ce pouvoir réducteur, je ne vais pas détailler, mais il y a quatre étapes, quatre complexes enzymatiques, on va dire, qui tous les quatre utilisent le fait que le pouvoir réducteur se soit accumulé de ce côté ici de la membrane. Et à chaque étape, quand on oxyde les coenzymes, à chaque étape, on envoie aussi des protons. Donc les protons, c'est simplement H+, hein, en chimie. Donc de l'hydrogène chargé. C'est pour ça que l'acidité, d'ailleurs, ça s'appelle... l'acidité se mesure avec un pH, le potentiel hydrogène. Donc ça vient de là, quand vous écrivez ça comme ça. Hop, est-ce que j'ai une gomme pour enlever ça? Et du coup, d'où est-ce que est sorti l'hydrogène dans mon histoire? C'est qu'on utilise le pouvoir réducteur, on oxyde chacun des coenzymes, et en même temps, vous avez du H+ qui va être pompé, on va dire, vers l'extérieur, ben, vers l'espace intermembranaire. Et donc, on va se retrouver ici avec énormément de protons, des protons H+. Donc, ça va être très acide ici dans l'espace intermembranaire. Vous allez me dire, mais on s'en fout. Ton pouvoir réducteur, on s'en foutait déjà. Mais le fait que tu aies une concentration de H+ dans l'espace intermembranaire, on s'en fout aussi. Eh ben non, on s'en fout pas parce que du coup, une fois que maintenant on a obtenu, grâce à toutes les étapes d'avant, donc la glycolyse, l'envoi du pyruvate, l'envoi du lactate, la formation d'un pouvoir réducteur, la formation d'un gradient de protons ici, une partie de ces protons, donc de l'acidité, va re-rentrer dans la mitochondrie en passant par un complexe qu'on appelle une ATP synthase. Et en gros, c'est un canal, un espèce de tuyau, qui fait rentrer les protons vers l'intérieur de la mitochondrie et qui, en même temps, de manière conjointe, quand elle bouge, quand elle fait rentrer un proton, va transformer de l'ADP en ATP. Donc là, toute cette cascade en fait de choses sert entre guillemets, même si c'est un petit peu orienté par le résultat, on va dire, mais on est très content que tout ça génère en fait au final de l'ATP. Et donc, en fonction alors, de comment on compte, quand on fait juste la glycolyse, on crée deux ATP. Mais si on continue l'histoire jusqu'au bout et qu'on regarde ce qui se passe avec la transformation avec le pyruvate ou avec le lactate via le cycle de Krebs et toute la cascade qui s'en sort avec toute l'ATP qui est créée ici, il y a 30 à 38 ATP qui sont créés par glucose utilisée. Alors ça, c'est la glycolyse, c'est rapide. Mais il n'y a que, on avait dit, deux ATP qui sont créés.
ici, au niveau du cycle de Krebs, c'est un peu plus lent. Il y a des transports à faire, il faut ressortir l'ATP après ça, etc. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace. Alors, il y a plusieurs side notes, du coup, là-dedans. Le lactate n'est pas un déchet. Vous notez d'ailleurs que j'ai jamais parlé d'acide lactique. En fait, l'acide lactique, c'est une fausse... C'est un mythe. C'est une erreur d'interprétation, si vous voulez. En fait, les gens ont vu que le lactate augmentait lors de l'effort. Ils ont vu que l'acidité augmentait aussi lors de l'effort, parce que vous avez aussi des protons qui se forment lors de la première étape, ici. Et donc, en fait, ils ont assimilé l'augmentation de l'acidité et l'augmentation du lactate à l'acide lactique. Mais le lactate, c'est la base conjuguée de l'acide lactique. Donc, ça, c'est une base, en fait. Donc, l'inverse d'un acide. Je ne sais pas si le mot base parle à tout le monde. Non, en gros, donc le lactate, c'est sûrement pas acide. Au contraire, ça a même été prouvé depuis que quand on prolonge les efforts et qu'il y a de l'acidose qui se crée dans les muscles à cause de ce proton ici, là, donc c'est lui hein, qui crée l'acidité, on va dire, la formation de lactate ralentit l'acidose. Donc le lactate est notre ami, il faut l'aimer aussi. Donc il n'y a pas d'acide lactique, ça ne tient même pas à l'intérieur de notre corps, il se dissocie tout de suite en base lactate plus proton, et il n'est sûrement pas responsable des crampes, etc. Ça, tout ça, c'est des fausses interprétations qui ont la vie dure, et c'est prolongé un petit peu d'entraîneur en entraîneur, j'ai l'impression, mais en termes de science, ils le savent, entre guillemets, c'est connu, donc pas de souci. Il y a du lactate qui est, au contraire, ralentit l'acidose et permet toute cette chaîne ensuite de cycle des Krebs, donc création d'un pouvoir réducteur, création du gradient de proton, qui est lui-même utilisé par l'ATP synthase pour produire énormément d'énergie. Donc c'est grâce au lactate pyruvate qu'on a énormément d'énergie, donc stockée sous forme d'ATP, qui est formée à partir du glucose. Je regarde si je n'oublie rien dans ce que je voulais parler. De toute façon, je me suis mis des notes. Et donc, j'avais fait une sorte de bingo. Hop, je vais montrer ça. Quitte à répéter les cases, c'est pas grave. Vu que il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui est bombardée. Là, on va relire ensemble, c'est pas grave. Donc là, le but maintenant, ça va être de regarder la vidéo de Iron Human. J'avais essayé de deviner de quoi il allait parler, et on va voir si on coche les cases. Le but, c'est juste allumer les cases dont il a parlé, et mettre peut-être en orange celles où où j'ai un doute, en fait, ou des trucs à creuser ou à vérifier, par rapport à ce que... Je pense surtout par rapport à moi, ce que j'ai dit, parce que là, c'est des rappels de... J'essaye de me rappeler de trucs que j'ai appris il y a 15 ans, donc... C'est plus ma parole que... dont je douterais. Et que je recreuserai. Donc, première case en haut, facile, hein, c'est notre corps, l'énergie qu'il utilise, c'est l'ATP, pas de souci là-dessus. La glycolyse, c'est, on l'a vu, le moyen le plus simple de créer de l'ATP, mais il en crée assez peu, par oxydation du glucose, donc un sucre. En parallèle, on a une coenzyme, effectivement, donc NAD+, qui est réduite en NADH pour contrebalancer, pas de souci là-dessus non plus. Ça crée aussi, on l'a vu, donc du pyruvate qui peut être directement transporté vers la mitochondrie. Et au passage, il se fait transformer par l'acétyl-CoA. Donc les complexes qui font traverser les molécules, qui font traverser les membranes aux molécules, font souvent changer un petit peu la nature de la molécule entre le moment où elle commence son voyage et le moment où elle arrive au nouvel endroit, elle change souvent de configuration. Dans le cytosol, donc le cytosol, c'est ce que je vous avais dit, c'était le... Hop, je sais pas si on voit la souris, non, mais c'est pas grave. Donc le cytosol, hop, juste pour rappel, c'est toute la partie ici, hein, de tout ce qui n'est pas à l'intérieur de la mitochondrie. Donc, tout ce qui est... Donc dans le cytosol, il n'y a pas besoin... Sans besoin d'oxygène, on va dire, que se crée du lactate. Donc, j'avais mis juste une note pour dire que le mot anaérobique est mal choisi,
En fait, il y a toujours création de pyruvate et de lactate. Il n'y a pas nécessairement. C'est pas un environnement qui est. Où l'oxygène est complètement absent. C'est, il n'y a pas besoin d'oxygène pour le faire, donc ça arrive, mais il y a de l'oxygène qui est là et c'est pas anaérobique. Donc le mot anaérobique qui est utilisé. Bon, c'est pareil, hein, c'est un reliquat, ça s'appelle comme ça maintenant, tant pis, mais c'est faux. Quand on crée du lactate, donc on l'a vu tout à l'heure, il y a du NADHH+ qui est retransformé en NADH+, et donc lui, il peut remonter au niveau de la glycolyse, bon, pas de souci là-dessus. Le lactate, lui aussi, on a vu que il pouvait être transporté vers la mitochondrie. Lui aussi, il devient acétyl-CoA qui, du coup, intègre le cycle de Krebs, et il va créer, au final, beaucoup d'énergie. Donc là, on dit toujours, hein, on souligne bien que le lactate, c'est cool, c'est notre ami. C'est donc un produit de la glycolyse, c'est pas du tout un déchet, et le cycle de Krebs est bien plus rentable, effectivement, donc on voit 30 à 38 ATP, bon, ça dépend de comment vous comptez, et du coup, c'est bien plus rentable que la glycolyse directe, on va dire. Et puis ça, du coup, on l'a détaillé, du coup, le cycle de Krebs, ça marche en deux étapes. Le cercle en lui-même produit un équivalent d'ATP et beaucoup de pouvoir réducteur. Contre. Et le pouvoir réducteur, lui, va permettre de créer par contre un gradient de protons qui lui-même, après, va, comme on l'a vu, être utilisé par l'ATP synthase pour refaire passer des protons et, en échange, former de l'ATP. Voilà, et en dessous de la ligne grasse, c'est des petites remarques, mais pas forcément connectées au cycle. Donc, j'espère que la partie au-dessus est claire. S'il y a des choses qui manquent, n'hésitez pas à le dire. Du coup, ah oui, alors ça c'est bon, ça c'est juste un détail de plus. Il y a d'autres voies pour créer de l'énergie, évidemment. On peut détruire des acides gras, pas que du sucre. On peut aussi utiliser la phosphocréatine. Donc de nouveau, c'est le groupement la liaison phosphate. Phosphoryl qui va donner de l'énergie, mais par contre on a très peu de réserves à l'intérieur de nos cellules. Pardon. À l'intérieur de nos cellules, on a très peu de réserves de phosphocréatine, donc c'est pour ça que ça se consomme très rapidement, mais ça s'achève aussi également très rapidement. La glycolyse, elle a lieu tout le temps, même en zone 1. Donc il y a du lactate qui est produit même en zone 1. Alors ça c'est un petit peu la partie où j'insiste sur la partie lactate, parce que c'est là où il y a le plus d'erreurs, je pense, quand les gens en parlent. Et le lactate, au début, vous ne le voyez pas s'accumuler. Tous les gens qui font des tests de lactate ne voient pas d'accumulation de lactate. Quand vous êtes en zone 1, par exemple, tout le lactate qui est produit part dans le cycle, part dans la mitochondrie, et il est consommé. Au final, il est transformé en acétyl-CoA et utilisé dans le cycle de Krebs. Il n'y a pas d'accumulation du coup de lactate dans la cellule. Donc quand vous mesurez, vous n'en voyez pas, et donc vous vous dites qu'il n'y en a pas qui se produit. Si vous continuez votre effort et que vous augmentez l'intensité, par contre, la vitesse à laquelle donc c'est ce qu'on appelle le seuil lactate, quand il commence à augmenter, c'est en fait quand vous n'arrivez pas à dégager le lactate du cytosol vers la mitochondrie assez rapidement. Ou bien si le cycle de Krebs, il n'y en a pas assez, on va dire, qui se passe. Il est trop lent, donc vous n'avez pas assez de mitochondries, pas assez de canaux transporteurs de lactate vers l'intérieur de la mitochondrie, etc. Donc tous ces éléments, donc les canaux transporteurs de lactate, le nombre de mitochondries, l'agencement des mitochondries, sont des choses qui s'améliorent quand vous faites des entraînements d'endurance. Donc vous dégagez le lactate du cytosol vers les mitochondries et vous l'utilisez d'autant plus efficacement que vous êtes entraîné. Et donc vous utilisez bien la présence de lactate et vous générez énormément d'énergie à partir de ce lactate. Et donc le seuil à partir duquel ça commence à augmenter, c'est votre PMA, on va dire. Donc c'est le détecteur de PMA, c'est le. À quelle vitesse vous arrivez à générer de l'énergie au maximum en utilisant votre machinerie mitochondriale. Et quand le lactate commence à s'accumuler dans votre cellule, juste par gradient lui-même, de nouveau, donc vous avez le sang qui passe à chaque fois
à côté des cellules, et il y a une partie du lactate qui est exportée vers le sang. Et donc c'est là où vous vous mesurez dans le sang, vous voyez en fait que vos cellules à côté commencent à avoir du lactate surnuméraire. Et le lactate n'est jamais un déchet, même quand il parle dans le sang, il est ensuite transporté vers d'autres organes qui vont lui, eux aussi utiliser ce lactate pour de l'énergie, donc le rein, les foies, etc. Donc voilà, ça c'était la première ligne. Donc là on attaque la cinquième, avant-dernière ligne du tableau. Alors oui, la présence d'ATP, quand il y a beaucoup d'ATP, ça va avoir tendance à inhiber la glycolyse, donc c'est bien fichu, parce que ça va du coup réguler. Une fois que vous avez beaucoup d'énergie dans votre corps, vous n'avez pas besoin de plus de glycolyse, donc on réduit du coup l'intensité de la glycolyse, donc c'est parfait. Et par contre, la présence d'AMP, par contre, donc beaucoup de molécules peu énergétiques, c'est très moche hein, ce que je suis en train de... j'essaie d'expliquer simplement, mais donc des molécules présentant moins de liaisons intéressantes, on va dire, en termes d'énergie, là, par contre, ça va être plutôt activateur de la glycolyse. Bon, on a déjà fait notre petit laïus sur le fait que l'acide lactique n'a pas de sens, parce que dans le corps humain, on ne retrouve que du lactate et du proton séparés, pas la version acide, donc pas d'acide lactique chez nous, là. Donc il n'y a pas d'accumulation d'acide lactique. Je martèle un peu, mais c'est de nouveau là où il y a le plus d'erreurs. Donc, au bûcher, ceux qui parlent d'accumulation d'acide lactique lorsqu'on fait des efforts, pareil, les crampes, l'acidose, etc. ne sont pas dus à l'acide lactique, c'est dû juste aux protons, tout simplement, qui sont créés lors de la glycolyse, et lors même du cycle de Krebs, qu'on finit par quand même avoir un environnement assez acide qui se forme. Et ce qui explique aussi les courbatures, ça a été expliqué depuis, donc c'est plutôt des micro-traumatismes, des micro-lésions sur les muscles, etc., qui créent les courbatures. Donc de nouveau, rien à voir avec une molécule dont on ne va plus prononcer le nom parce qu'elle n'existe pas. Et le reste, je pense qu'on en a déjà parlé. Donc le travail d'endurance, on a dit que ça augmentait à la fois le nombre de mitochondries, le nombre de canaux transporteurs lactate et de pyruvate vers l'intérieur de la mitochondrie. Donc tout ça fait que vous augmentez votre capacité à utiliser le lactate, votre capacité à produire beaucoup d'énergie et du coup à tout faire sur place. Et donc avec améliorer votre PMA. L'acidose est retardée par la production de lactate parce que le lactate est une base, donc c'est l'inverse d'un acide. Donc voilà. Et le reste, c'est ce qu'on vient de dire juste avant. Donc voilà. Donc ça, c'est le petit bingo. Et maintenant, on va pouvoir passer du coup à la vidéo de Iron Human. Donc de nouveau, je rappelle, moi, je l'ai pas du tout écouté. Le but, c'est de voir à quel point il explique la même chose, etc. Donc normalement, avec deux personnes différentes qui expliquent la même chose, on espère qu'à la fin, on arrive sur un consensus et que ça sera plus clair pour tout le monde. Je vais regardez si tout se passe bien niveau... Anaérobie à lactique, aérobie. Alors merci beaucoup à Iron Muleman. Je me rends pas compte j'essaie de faire ça avec une bonne intention, je sais pas comment expliquer. Du coup, au niveau copyright, je sais pas comment ça se passe. Je suis pas sûr, donc je vais pas publier cette partie-là sur YouTube. Si j'ai dit des grosses bêtises sur la première partie, je le mettrai en commentaire de la vidéo, je pense. Et je ne fais la partie react et regarder la vidéo de Iron Newman que là, en live. Et du coup, la vidéo va rester quelques jours sur Twitch. Mais je la passerai pas forcément sur YouTube, c'est son travail à lui. Je m'en sers, je trouve ça intéressant. Je rappelle de toute façon le lien vers sa vidéo-là, je vous l'ai mis dans le chat tout à l'heure, il y a la commande, hein, Iron Newman. Allez lui mettre un pouce pour son travail, etc. Abonnez-vous, évidemment, ça aide les créateurs, hein, c'est vraiment vrai. Mais je pense pas que je vais... à partir de maintenant, là, je pense pas que ça, cette partie-là aille sur YouTube. De mon côté, je veux dire. Ça vous parle ? Dans cette vidéo, nous allons mettre à jour nos connaissances sur les fameuses filières énergétiques.
La longueur de la vidéo nous laisse un petit indice hein, sur la quantité de choses à mettre à jour. Pour faire les choses bien, il faut s'entourer. Tout à fait, on est d'accord. Il y a... Donc lui, sa vidéo fait 45 minutes. Moi, je pensais faire un rappel très court et je pense que ça fait déjà au moins 20 minutes que je parle. Donc... Et là, autant vous dire que je me suis pas foutu de vous, j'ai fait appel à la crème de la crème. J'ai demandé de l'aide à Didier Reiss, préparateur physique, responsable pédagogique dans la structure de formation Efficientia et l'auteur du livre que tous les STAPS et tous les BPJEPS devraient avoir sur leur table de chevet. Je parle évidemment de la Bible de la préparation physique. La légendaire Bible de la préparation physique. Didier Reiss, déjà, merci d'être avec moi aujourd'hui. Yes, cool. Donc, allez liker les créateurs de contenu qui prennent du temps pour faire des émissions intéressantes. Pour parler énergétique, bioénergétique, filière énergétique, on pourrait dire aussi. Donc clairement, Iron Human, je connais de nom. J'ai vu une ou deux vidéos, mais assez peu. Et du coup, j'apprends qu'il vient de STAPS. Je savais qu'il avait un niveau monstrueux et qu'il adore expliquer la base de ses entraînements, etc. Donc je sais qu'il aime bien comprendre le pourquoi, donc ça c'est cool. Je pense que vous pouvez d'ores et déjà le remercier en commentaire parce que de nos jours, des gens qui donnent 2 heures de leur temps dans l'unique but de faire avancer le débat général, c'est plutôt rare. On va y aller étape par étape, en 4 chapitres, du plus simplifié et du plus vulgarisé, au fur et à mesure, au plus détaillé. Les 3 premiers chapitres seront théoriques et le 4e sera pratique, parce que la théorie c'est important, mais nous, ce qu'on veut, c'est savoir ce qu'on fait quand on est en slip au bord de la piscine, sur une selle ou sur une piste. Pour finir, pour retrouver toutes les sources des concepts et des notions abordées dans cette vidéo, le plus simple, achetez ce bouquin. Vous allez y... Cool, eh ben ok, bah, il a bien fait, il a du coup bien organisé. Donc, lui aussi, il se rend compte que c'est pas possible de tout balancer d'un coup, donc... Donc lui, il a organisé ça en couches de complexité successives, et il cite les sources, bah du coup, il prend tout du bouquin de Dr. Reiss, donc ça, c'est cool, ça, c'est simple. Hyper loin là-dedans, quoi. Pour de la préparation physique, c'est mieux que... Moi, je l'avais vu juste une fois sur la... la vidéo sur la grande virée, du coup, organisée justement par Alexandre. La grande majorité des ouvrages spécialisés sur l'endurance. J'ai envie de dire, en français, j'ai l'impression que c'est le bouquin où il y a le plus de références et le plus à jour. J'ai envie de dire, malheureusement, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des bouquins qui arrivent, qui soient plus costauds, ou qui viennent nous titiller. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est... Ok. Bon, et... il réagit, je pense, en voyant la vidéo de la même manière que nous, on réagit, c'est-à-dire que bon... ouais, j'aimerais bien qu'il y ait des gars qui approchent un peu plus près de mon ego. Premier graphique, très très simplifié du métabolisme. Ce qu'on peut voir dessus, c'est qu'il y a une molécule finale utilisable pour créer de l'énergie qui est l'ATP. Et tous les processus énergétiques vont s'organiser de différentes manières pour obtenir cette molécule finale. Quand je dis vont s'organiser, on a... Bon, vous reconnaissez sur le schéma. Alors, est-ce qu'on voit ma souris sur la capture? Absolument pas. Est-ce que je peux afficher là? Oh, j'ai pas envie d'y passer 10 heures. Du coup, à gauche, le trait tout droit, évidemment, c'est la membrane de la cellule. Et puis après ça, vous avez, de manière schématique, du coup, ben, les deux membranes de la mitochondrie. Et du coup, il y a la même chose qui se passe que ce qu'on a raconté nous tout à l'heure. C'est-à-dire que... Il commence d'ailleurs par le même point, c'est-à-dire de rappeler... que c'est l'ATP qui nous intéresse. 3 sources, on pourrait dire majoritaires, parce que bah, comme toute la littérature, on va négliger les protéines, acides aminés, etc. Peut-être à tort, mais on a les glucides, les lipides et la phosphocréatine, qu'on va écrire PCR. Ok, bah du coup, la voie, donc PCR, la voie la plus rapide, mais avec la plus petite réserve qui sert du coup au sprint, on va dire, on va simplifier encore. Les glucides, on l'a vu, qui servent tout le temps, dans tout, genre endurance, effort même court, etc. Et les lipides, donc les acides gras. Sinon sur les graphiques, enfin sur les dessins, ça prend une plombe. Est-ce que tu es d'accord sur cette version extrêmement simplifiée? Il est très bien, effectivement, tu as raison, par rapport à de l'effort qui n'est pas de trop longue durée, de zapper les acides aminés, on va s'embêter avec, sinon ça aurait alourdi le schéma. Ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a beaucoup d'imbrications entre tout ça. Alors du coup, ouais, le truc qu'ils ont zappé, on rajoute un petit peu d'infos, on n'est pas là juste pour regarder une vidéo quand même, c'est au bout d'un moment, si vous n'avez plus assez de combustible pour alimenter en énergie votre corps,
Votre corps a un mécanisme réflexe qui est de détruire certaines protéines de votre propre corps pour libérer du coup ce qui les compose, les protéines, donc les acides aminés, et d'utiliser les acides aminés comme précurseur d'une nouvelle chaîne de réaction qui donne de l'énergie au final. Donc vous commencez à vous auto-manger pour libérer de l'énergie. On pourrait penser, et justement c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, que quand on parle de filière énergétique, on aurait eu glucides ici, PCR là et lipides ici, et trois flèches qui vont vers le bas et qui mènent vers l'ATP. Mais on voit que c'est un peu plus complexe que juste trois lignes droites. Et c'est bien ce que tu as dit, ça me fait penser, j'ai ma bibliothèque à côté, je la connais un petit peu par cœur, puisque ça fait 20 ans qu'elle se développe. Métabolisme at a glance, métabolisme d'un clin d'œil, je me souviens que les premières pages, tu vois, ils te mettent des gros schémas et à la fin, au début... Ça c'est, je reconnais, c'est le plan du métro parisien, il y a le changement là à Sébastopol et puis... mettre un plan, je sais pas si c'est de Londres, et ils essaient de montrer que finalement c'est comme un plan de métro. Ah bah voilà, ok. En fait, on peut arriver à plusieurs stations par plusieurs chemins différents, tellement il y a de liens. Donc là, tu as raison de dire qu'il est simplifié, parce que ça peut être très très violent, des fois, les schémas. Cette illustration peut d'ores et déjà paraître un peu violente pour certains, c'est pour ça que j'ai mis des couleurs sur ce que vous devez réellement retenir. Nous voyons trois substrats énergétiques différents, les glucides, les lipides, la phosphorylcréatine, qui vont s'organiser pour produire une molécule finale, l'ATP, qui est une molécule riche en énergie qui va permettre la contraction. Bien qu'on ait vu que ce n'était pas aussi simple que trois lignes droites, pour être enseigné... Et même, la partie finale... Comment l'ATP permet la contraction, c'est on pourrait détailler aussi. Mais du coup, on a toute une vie devant nous pour faire des vidéos de biochimie. Pédagogiquement, on a pris l'habitude, depuis un peu plus de 40 ans, de scinder ces réactions chimiques en trois filières. L'anaérobie lactique, qui va regrouper toutes les réactions chimiques autour du PCR et de l'ATP. Très mal nommé, du coup. Parce qu'il n'y a pas de lactique nulle part. L'anaérobie lactique qui va regrouper toutes les réactions chimiques autour de la dégradation des glucides en dehors de la mitochondrie. Les mitochondries, c'est simplement des petits organites dans les cellules. Et la troisième et dernière filière, l'aérobie, qui va regrouper toutes les réactions chimiques. Alors là, du coup, juste, je reviens. Là, sur le schéma, c'est souvent simplifié comme ça. En orange, du coup, vous avez les mitochondries. Alors qu'en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, elles ont tendance à se regrouper, à faire des complexes. Et du coup, plus vous vous entraînez, ils ont observé, plus ces complexes font des étages, alors c'est en 3D évidemment, mais qui permet du coup d'optimiser à la fois le passage de substrat vers eux, donc lactate, pyruvate, etc., et la formation et l'export après ça d'énergie. Les organites dans les cellules. Et la troisième et dernière filière, l'aérobie, qui va regrouper toutes les réactions chimiques qui vont se produire dans la mitochondrie. Étant donné que tu es responsable pédagogique à EFIS... Ah oui, alors il y a un truc que moi j'ai pas dit de mon côté. À l'intérieur de la mitochondrie, par contre, il y a besoin d'oxygène. L'oxygène que vous respirez quand vous faites du sport, c'est nécessaire parce que... Alors je vais reprendre le schéma de tout à l'heure. Ici, hop, désolé pour les bruits de clic. Ici, quand vous avez... Donc, bref, flashback. Vous avez fait rentrer du pyruvate ou du lactate. Vous avez fait votre cycle de Krebs, et donc c'est pas Calvin Klein, hein, c'est le cycle de Krebs, et vous avez créé beaucoup de pouvoirs réducteurs, et vous avez quatre complexes, on a dit tout à l'heure, qui oxydent donc le pouvoir réducteur que vous avez créé, et donc une des choses qui se fait détruire ici, qui récupère du coup le pouvoir réducteur, c'est l'oxygène. Donc l'oxygène c'est ici, c'est à cet endroit-là. Qu'il est utilisé. Donc quand vous faites du sport et que vous prenez de l'oxygène pour vos cellules, c'est en fait pour la partie aérobie, du coup, là il y a besoin d'oxygène, à l'intérieur de la mitochondrie, pour créer le gradient de proton qui va lui-même permettre à l'ATP synthase de fonctionner à plein régime. Hop, on revient sur la chaîne, pardon, sur la scène avec les vidéos. Toutes ces problématiques pédagogiques, tu as dû les tordre dans tous les sens pour essayer de les faire apprendre aux gens. Déjà, est-ce que séparer cette énergétique en trois aspects, est-ce que c'est fondamentalement faux? Et est-ce qu'il y a un intérêt pédagogique à le faire? Si on ne fait pas ça pédagogiquement, les gens n'ont plus rien comprendre, sans compter que ça fait 40 ou 50 ans qu'on a dissocié des aspects du métabolisme. Et nous, sur le terrain sportif,
Alors là, on a carrément de la performance ou des entraînements qui seraient liés avec ces trois mots. Si on les supprime complètement, ce qui serait bien pourtant, ce qui serait peut-être bien à terme, on va perdre les gens. Nous, on a failli le faire dans la dernière version de la Bible. On en a parlé, on nous l'a reproché d'ailleurs, en disant que vous avez voulu supprimer les termes aérobie et anaérobie, finalement, vous en parlez. Ah, mais sinon, on va passer pour des extraterrestres. Donc, gardons. Oui, bah parce que tout se passe en même temps. C'est ce qu'on disait. Je l'ai dit aussi quand j'ai essayé d'expliquer moi-même. Le terme, notamment anaérobie, est très mal choisi. C'est pas parce qu'il y a absence d'oxygène que ça se passe comme ça. C'est juste qu'il n'y a pas besoin d'oxygène pour que de la... Merde. Oh non, ça c'est honteux. Pour qu'il y ait du lactate qui se forme. Et du coup, une autre chose aussi, il n'y a pas que ça, c'est plusieurs sources d'énergie sont utilisées en même temps. Les gens ont tendance un petit peu à simplifier en disant la glycolyse suffit si vous poussez pas trop fort sur les pédales. C'est faux. Il y a même un petit peu de phosphocréatine qui est utilisée. C'est pas on-off, il n'y a pas des switches brutaux à... Votre corps, il ne sait pas qu'à 143 watts, il doit changer de substrat et qu'il change de filière métabolique. Pédagogiquement, cette approche, puis elle nous permet en plus de faire par étapes. Comme nous faisons aussi par étapes, on va garder temporairement sur les deux premiers chapitres la notion de filière pour expliquer quelques trucs. L'étape suivante, c'est d'observer les contributions à l'effort de ces trois filières énergétiques séparément. Et pour ça, on utilise ce graphique. Ok, bah voilà, c'est ça que j'avais en tête, donc c'est parfait d'avoir l'illustration aussi. Ce graphique est souvent mal compris. Par moi le premier quand j'étais en licence, alors pour gagner du temps, je vais vous le décrypter. Déjà, ce n'est pas une frise chronologique en fonction du temps. Ce sont des arrêts sur image. Le temps bas ne représente pas le temps qui passe au fil d'un effort, mais représente différentes durées d'un effort maximal. Pour chaque effort... C'est ça. Exactement. Du coup, par rapport aux termes qu'on a utilisés jusqu'ici, aérobie, ça va être le cycle de Krebs et tout ce qui se passe à l'intérieur de la mitochondrie. Le lactique, c'est ce qu'on a appelé la glycolyse, tout simplement. Et alactique, c'est la phosphocréatine qui est utilisée du coup pour créer de l'ATP. Maximale de la durée d'effort indiquée. La valeur des trois courbes correspond à la contribution des trois filières. C'est pour ça que si on additionne en tout point la valeur des trois courbes, on obtiendra toujours 100%. Donc moi, ce qui m'a fait du mal, pareil, c'est ce graphique-là. Oui, alors je le vois et pourtant, moi je l'aime toujours, mais... D'ailleurs, toi, tu as mis des petits pointillés en haut, donc finalement, tu l'as déjà corrigé. Oui, ce qu'il y a. Effectivement, si tu n'as pas la résultante tout là-haut, on comprend mal ce qui se passe. Là, on voit du rouge, du vert, on a l'impression que d'un seul coup, on ne comprend pas, parce qu'on a l'impression que ça régresse, puis ça remonte, et puis et sur le terrain, on ne comprendrait pas ce qui se passe. On aura quelqu'un qui est en train d'accélérer, d'accélérer. Vous vous rendez compte? Vous faites déjà partie du club très fermé de ceux qui comprennent ce qui se passe. C'est un bon départ. Pour encore mieux comprendre, je vous propose une alternative à ce diagramme. Celui-ci représente exactement la même chose. Ok, voilà, mais sur en fonction de votre de l'effort sur lequel vous êtes parti en fait, donc un effort que vous êtes capable de tenir 8 heures par exemple, quelle est la contribution, quelle est la part d'énergie qui est venue d'où? C'est peut-être la manière la plus simple de comprendre. La répartition en valeur relative, donc en pourcentage, de différents efforts maximaux, de différentes durées. Pour moi, c'est juste plus lisible. Et l'autre avantage, c'est que d'après moi, celui-ci, on peut plus facilement le transformer pour obtenir un diagramme, non pas en valeur relative, mais en valeur absolue. C'est-à-dire qu'on ne parle plus en pourcent, mais on parle réellement en quantité d'énergie produite par unité de temps. On comprend assez facilement que la quantité d'énergie produite chaque seconde sur un... Évidemment, si vous avez des questions ou s'il y a des choses qui sont encore pas claires, vous n'hésitez pas. Hein. C'est un sujet intéressant, mais compliqué. Pardon, je reviens derrière parce que j'ai parlé sur lui. En quantité d'énergie produite par unité de temps. On comprend assez facilement que la quantité d'énergie produite chaque seconde sur un effort maximal de 10 secondes est bien supérieure à la quantité d'énergie produite par seconde sur un effort de 8 heures par exemple. Bah, oui, puis il manque l'intensité, parce que c'est vrai que quand on explique ça aux jeunes, genre ici je me lève de ma chaise et je me mets à marcher 10 secondes, je pensais pas que je suis en anaérobie à lactique parce que je viens de marcher 10 secondes et qu'on a lancé un chronomètre sur 10 secondes. Il manque le contexte de la situation. Et en exagérant, il n'y a aucune situation. On ne peut pas réveiller un sportif à 3h du matin et lui dire de sprinter d'un coup pour regarder ce qui se passe d'un point de vue énergétique. Parce que quand on sprint, ça veut dire que derrière, tu t'es chauffé. Ça fait au moins une heure que tu t'es préparé pour ça. Imagine une finale des Jeux Olympiques.
Ça fait même pas une heure, ça fait 24 heures que le gars il est en train de stresser, il dégage de l'adrénaline, il bouffe sa vitamine C. Il y en a, ils arrivent déjà sur dans des starting blocks qui sont à 160. Mais un test navette avec des étudiants, le plus haut que j'ai remarqué une fois, c'était un jeune à 150 BPM. Il était au repos à 150 BPM, parce qu'ils avaient tous leur cardiofréquence mètre, et le jeune d'à côté pouvait être à 62. Alors c'est vrai, il est bon de rappeler certaines choses, déjà que ces valeurs sont variables en fonction des individus. Ah oui, alors... Tout est variable d'un individu à l'autre. Il y a plein de choses qui sont génétiquement déterminées. La PMA, donc la puissance maximale aérobie, c'est une des variables la plus génétiquement déterminée. Ça se travaille à l'entraînement, notamment le deuxième seuil de lactate pour ceux à qui ça parle. Mais il y a plein de choses qui sont extrêmement génétiquement déterminées. Le nombre de mitochondries, le nombre de transporteurs... De canaux transporteurs de lactate ou de pyruvate vers l'intérieur de la mitochondrie qui vous permettent d'efficacement utiliser le lactate pyruvate. Tout ça, c'est génétiquement déterminé et un peu transformé par l'entraînement. Le coach, il y a aussi un autre podcast en anglais, encore plus long, qui fait 3 heures, avec le coach, le biologiste quasiment, le médecin de Pogacar, qui dit que, par exemple, quand ils ont samplé le Pogacar, le nombre de canaux que lui a, donc le nombre de canaux transporteurs de lactate vers l'intérieur de la mitochondrie chez lui est exceptionnellement haut. Donc évidemment il y a l'entraînement, mais il y a aussi évidemment la partie génétique qui l'aide du coup à utiliser vraiment au maximum le lactate. Vous avez une tendance moyenne, et comme le souligne très justement Didier, l'état de départ dans lequel on débute l'activité va influencer cette répartition. Un sprint de 10 secondes au saut du lit ou un sprint de 10 secondes après un échauffement, c'est pas tout à fait la même chose. Encore une fois, je vais me répéter, mais l'apprentissage passe par la répétition, ceci n'est pas une frise chronologique. Si vous partez sur une course qui va durer 2 heures, vos contributions énergétiques à l'effort vont quasiment ressembler à ça dès le départ. Au bout de quelques minutes, voire quelques dizaines de secondes en fonction de votre échauffement. En tout cas, ce dont vous pouvez être sûr, c'est que ça ne ressemblera pas à ça sur les premières minutes. C'est l'intensité. Ça dépend. Sur Zwift ou sur RGT, les départs, il a peut-être pas vu les départs sur RGT. Qui définit la réponse. En gros, prenez ça comme des efforts si vous étiez en contre-la-montre et que vous essayez de faire l'effort le plus linéaire possible. Ce dont vous pouvez être sûr, c'est que ça ne ressemblera pas à ça sur les premières minutes. C'est l'intensité qui définit la répartition, pas la durée. Genre ici, je me lève de ma chaise et que je me mets à marcher 10 secondes, pensez pas que je suis en anaérobie à lactique parce que je viens de marcher 10 secondes et qu'on a lancé un chronomètre sur 10 secondes. Oh non, de la pub, au secours. Pourquoi a-t-on l'impression d'utiliser des PCR? Ok, donc là on a fini le premier chapitre et pour l'instant c'est assez clair et on est d'accord sur tout. Uniquement sur des efforts très intenses et l'aérobie sur des efforts plus faibles. Ah, bonne question. Pour cela, commençons par aborder la notion de cinétique et de débit. Le débit est la quantité d'énergie produite par unité de temps. Si la quantité d'énergie est représentée par un volume... Donc attendez, on en est où là dans le bingo là? Par rapport à notre tableau dit là, ici là. Ça, on en a parlé, c'est bon. Ça il n'a pas dit d'ailleurs qu'on utilisait du... Donc tout ça il n'en a pas parlé. Que c'était des pouvoirs oxydoréduction. Pyruvate, il en parle absolument pas d'ailleurs dans sa flèche. Pour l'instant, il a juste parlé de lactate. Alors qu'il y a beaucoup de pyruvate aussi qui se passe. Le fait que le mot anaérobie est mal choisi, c'est marrant. Il en a parlé. Ça, il a montré sur le schéma, mais pour l'instant, il n'a pas encore parlé. Donc, ok. Ok. Ça. Et bien il vient d'en parler, donc ça c'est ça le but de son schéma. Donc le fait que même en zone 1, vous ayez un petit peu de... C'est un continuum, c'est pas des gros blocs, c'est sa courbe qui montre qu'il y a toujours une partie de chacune des voies métaboliques qui est utilisée, donc ça c'est cool. Donc ça, j'ai quasiment envie de le mettre en vert parce que vu le début de sa phrase, je sais qu'il va en parler. Donc ça, le reste... ça il en a parlé et ben c'est bon, je pense qu'on a déjà fait, on a déjà couvert cette partie là. Hop, on revient sur cette scène là. Pouf pouf. Volume d'eau,
La notion de débit est simplement pardon, reviens. Le débit est la quantité d'énergie produite par unité de temps. Si la quantité d'énergie est représentée par un volume d'eau, la notion de débit est simplement représentée par à quel point vous ouvrez le robinet. La cinétique, quant à elle, c'est le délai entre le début de l'effort et la mise en place des processus. J'ai besoin d'eau, j'ouvre le robinet. Après quel délai le débit attendu est fourni. Plus on se trouve haut sur l'illustration, plus l'action est immédiate. Les molécules peuvent réagir tout de suite pour produire de l'ATP. Donc vous voyez ma souris, donc ça c'est parfait. Je n'avais pas vu tout à l'heure, j'avais sur le replay. Donc oui, ce que je disais hein, tout à l'heure, de 30 à 38 en fonction des 30 selon les 30 selon la police, 38 selon les manifestants. C'est le décompte. Et du coup, la chaîne respiratoire, c'est l'utilisation du pouvoir réducteur pour envoyer ici des protons à l'extérieur dans l'espace intermembranaire. Donc ça s'appelle la chaîne respiratoire. Et donc lui, il parle absolument pas du pyruvate, qui pourtant la transformation. Alors ici, c'est très marrant parce que ici il a parlé de glycogène. Alors, juste pour être clair, la glycolyse donne part du glucose, puis ça phosphorylle du glucose, etc. Machin, ça il y a des petits pointillés et ça arrive au pyruvate. Le pyruvate donne souvent du lactate, mais pas forcément. Et le pyruvate peut être utilisé aussi. Il peut rentrer lui aussi sous forme d'acétyl-CoA. Le glycogène, c'est un méga complexe avec plein de glucose à disposition. Et lui-même, quand l'activité sportive se lance, peut être coupé. Donc imaginez, c'est la récolte, vous avez un arbre avec plein de glucose ramifié, et vous avez du coup un système pour venir couper autant de glucose que vous avez besoin. Donc le glycogène subit ce qu'on appelle la glycogénolyse, donc on tue le glycogène, et à chaque fois, ça libère un glucose. Donc je sais pas pourquoi il parle de glycogène là, sur son schéma tout à l'heure, il parlait de glucose et c'était un peu plus normal vu là où il se place. Et donc fournir un gros débit si c'est nécessaire. Donc tout en haut, la cinétique est rapide et le débit peut être très élevé. Maintenant, plus on se trouve en bas de l'illustration, plus il y a d'étapes avant d'y arriver. Donc moins l'action est immédiate et moins le débit maximal est élevé. C'est-à-dire qu'en bas de l'illustration, la cinétique est plus lente et le débit est plus modéré. Voilà pourquoi sur des efforts très intenses... Donc c'est une autre manière de dire que... Alors moi j'avais fait juste la conclusion en disant que la glycolyse c'est rapide, mais ça ne fournit que 2 ATP, et du coup la chaîne respiratoire, etc., c'est plus lent. C'est plus rentable, mais c'est plus lent. Les réactions les plus rapides se font en première, et c'est pour ça qu'on les trouve de façon prédominante dans le bilan énergétique. A l'inverse, sur des efforts moins intenses, les réactions avec des cinétiques plus lentes ont le temps de se mettre en place. Et la demande énergétique étant moins élevée, leur débit modéré est amplement suffisant. Didier Race nous explique pourquoi le corps a besoin de ces cinétiques plus lentes et pourquoi est-ce qu'il les privilégie quand la demande énergétique le permet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la cinétique des différentes filières? Alors, si on raisonne sur la première, cette fameuse phosphorycréatine, c'est qu'en fait, c'est ça le produit terminal de toute manière qui doit être créé. Donc, c'est celui-là que l'on veut. Donc, si on le veut, au niveau pour le renouveler, pour qu'il nous fasse notre ATP. D'ailleurs, side note, de nouveau, désolé, ça va être un stream de digression, hein, c'est assumé, ça va être le style. C'est pour ça que beaucoup de gens qui font de la muscu et qui ont besoin de faire des efforts très intenses à répétition prennent des compléments alimentaires à base de créatine. C'était aussi le cas de Jonah Lobou qui se faisait des tartines de créatine le matin, hein, et qui est mort à 35 ans avec une déficience des deux reins, etc. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais c'est pour ça que de donner de la créatine au corps permet d'augmenter un petit peu la quantité de phosphocréatine au final que vous allez avoir à disposition. Et du coup, c'est ça qui permet de faire plus de répétitions d'efforts intenses. Et donc, pour l'entraînement, pour pouvoir mettre d'enchaîner des sessions plus longues ou des répétitions plus longues, plus de répétitions, l'apport de créatine est important. Dans la combinaison. Moi, évidemment, à mon niveau, je ne le conseille absolument pas. Il y a plein d'effets secondaires
notamment à forte dose, la créatine, c'est très mauvais. C'est qu'en fait, c'est ça le produit terminal de toute manière qui doit être créé. Donc, c'est celui-là que l'on veut. Donc, si on le veut, au niveau de, pour le renouveler, pour qu'il nous fasse notre ATP, bah, dans un compétent, il est disponible. Il est disponible donc en grande quantité, ou en tout cas en quantité suffisante dans la cellule pour nous fonctionner. Voilà. Mais si on l'exploite à fond, c'est vrai qu'au bout de 2 secondes d'effort, on serait déjà à l'arrêt. On a assez de phosphocréatine pour tenir 2 secondes. C'est quand même pas grand-chose, s'il n'était pas renouvelé. Donc imaginons maintenant que nous sommes en train de faire des efforts, ça veut dire que nos réserves là sont en train de descendre. Et quand elles descendent, d'autres produits apparaissent. Et quand ces produits apparaissent, ils permettent de lancer d'autres réactions. Et ça se fait comme ça sans arrêt dans des réactions chimiques. Parce que nous on voit des choses posées sur le papier. Il faut dire, nous sommes dans une cellule, imaginons une cellule qui soit grosse comme un ballon. Il y a de l'eau, dans l'eau il y a des produits, ces produits doivent se rencontrer. Mais pour qu'ils se rencontrent, c'est comment? Ben c'est presque du hasard, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une grande quantité pour qu'il rencontre un autre produit avec une enzyme présente. Donc c'est pour ça qu'en fait qu'on a des espèces de cinétiques. Nous quand on est en train d'utiliser notre phosphocréatine, la créatine apparaît en... Je sais pas exactement dans quoi il se lance. Je vais le laisser aller jusqu'au bout de l'explication parce que je sais pas pour l'instant dans quelle molécule exactement il est en train de parler de tout ça. Grande quantité, donc ça veut dire qu'elle peut faire d'autres réactions, alors qu'avant elle n'était pas là. Il y avait juste un petit ratio qui se faisait. Donc ces processus, c'est presque de la mécanique. Le temps qu'il faut pour que les choses se fassent et se rencontrent. Un peu comme si toi, tu es allé dans une foule et qu'il fallait que tu dises bonjour à 2-3 personnes, mais elles sont noyées parmi pas mal de monde, donc faut que tu te déplaces. Mais si tu étais multiplié par 15, tu aurais plus de chances de rencontrer ces personnes-là. J'aime bien cette notion d'escalier. Je le reprends en cours. Si tu fais tomber une boule de bowling... J'ai l'impression que lui non plus, il sait pas là où il va. Si je regarde la réaction d'Iron Newman, là, il est en train de faire oui, mais tu m'as un peu décroché, là. Je sais pas où il est parti, Didier Rice, là, sur son explication. Je pense qu'il essaye d'expliquer juste le concept général de cinétique, mais pas forcément appliqué à l'exemple dont on est en train de parler. Mais si tu étais multiplié par 15, tu aurais plus de chances de rencontrer ces personnes-là. J'aime bien cette notion d'escalier, je le reprends en cours. Si tu fais tomber une boule de bowling du premier étage et que tu mets ton pied dessous, ça va te faire très très mal, parce que la boule de bowling, elle tombe de 2,50 m. Si maintenant tu mets un escalier en haut de cet étage et qu'elle descend l'escalier étape par étape et que tu mets ton pied sur la dernière marche, ça va quasiment pas te faire mal. Mais c'est un peu ça dans le corps humain. Vous avez des réactions qui se font brutalement. La phosphocréatine, c'est brutal, c'est de l'énergie tout de suite. Et les autres, c'est de l'énergie qui est libérée au fur et à mesure. Parce qu'il y a plusieurs réactions. Pourquoi? Parce qu'on monte très, très très haut en température. Nous ne faisons pas de combustion dans le corps humain. Ce n'est pas une explosion comme un moteur. D'ailleurs, un moteur monte à des centaines de degrés, il faut mettre de l'eau pour refroidir. Alors nous aussi, on doit refroidir, mais on ne monte pas à des centaines de degrés. Alors, déjà, on est à 50 et plus, c'est pas mal au cœur des mitochondries. Et on a des marathoniens qui montent quasiment à 42 degrés. Hein, donc ça doit monter très très haut. Mais ces réactions... Ça, je ne savais pas, par exemple. Que la température du corps des marathoniens pouvait... Monter aussi haut, ça c'est un truc que j'ignorais absolument. Je sais par contre que les bourdons, alors je ne savais pas pour les marathoniens, mais alors par contre les bourdons, les bourdons ont énormément de mitochondries à l'intérieur des cellules, et ça leur permet de rester à des températures très élevées, qui leur permet de voler assez tard dans l'hiver, même quand il fait encore froid. C'est comme ça qu'ils se réchauffent en fait, ils brûlent de l'énergie et c'est la mitochondrie du coup qui va leur générer du coup la chaleur de leur corps. Voilà. chacun ses sujets. Les réactions sont lentes pour libérer de l'énergie par étape, pour pas qu'on explose parce qu'on est rempli de flotte. Donc maintenant, ces réactions étant compliquées, bah, elles prennent un petit peu plus de temps que la première. Le corps s'est adapté pour éviter d'exploser. Malin. Explication pertinente, et qui en plus, à ce niveau de compréhension, nous permet de nous affranchir de la notion de stock. Alors la formulation de la phrase, je l'aime pas du tout, et on nous a appris dans les études à ne pas formuler nos choses comme ça. C'est ce qu'on appelle une formulation déterministe. C'est... Alors, à l'inverse, la formulation voudrait plutôt dire que... la formulation un peu plus correcte, ça serait... On avait un système bien foutu... de métabolisme qui marchait sans nous faire chauffer trop, du coup on n'est pas mort, du coup on a pu passer nos gènes à la génération d'après. Mais le corps, il savait pas qu'il devait faire quelque chose. C'est... Qui
habituellement est lié aux trois différentes filières et qui, d'après moi, mène les gens dans l'erreur. Oui, bien sûr, on peut épuiser ses stocks de PCR, de glucides dans certaines conditions. Je ne suis pas en train de dire que c'est fondamentalement faux. Je trouve simplement, personnellement, que c'est intéressant de ne pas parler des stocks, ou tout du moins au second plan, pour ne pas laisser penser que le changement de contribution en pourcentage des filières énergétiques à l'effort ne dépend que des stocks. Si les PCR n'apparaissent pas sur le bilan énergétique quand vous courez un marathon, ce n'est pas parce que vous avez épuisé vos PCR dans les 10 premières secondes de celui-ci. Voilà pourquoi je n'ai pas commencé à parler de stocks, voilà pourquoi je n'en parlerai pas plus. Tout à fait. Et d'ailleurs, on fera ça à un autre moment, mais du coup, en fonction de la quantité d'entraînement, il y a plein de papiers scientifiques qui ont bien montré que la mobilisation des ressources change énormément d'une personne à l'autre, entre un marathonien et une personne non entraînée, on va dire. La capacité à reproduire les réserves, dans quelles réserves même on tape, etc., pour un type d'effort, change énormément. Donc, le graphe théorique qui est présenté là, c'est à prendre justement pour l'idée de décroissance, etc., mais vous ne pouvez pas l'appliquer à une personne. Genre, c'est marqué 45 secondes par exemple, mais c'est pas vrai pour tout le monde. C'est pas cette répartition-là exacte à 45 secondes. C'est l'idée générale qu'il faut retenir. Première seconde de celui-ci. Voilà pourquoi je n'ai pas commencé à parler de stock, voilà pourquoi je n'en parlerai pas plus. C'est volontaire. On n'en aura pas besoin. Et en plus de ça, je trouve que ça nous enferme encore un peu plus dans cette notion de filière énergétique. Et ça serait bête de le faire parce qu'on va rentrer dans le chapitre 3. Et dans le chapitre, on va s'en affranchir des filières. Déjà au chapitre 3 chapitre, nous allons... Ok, donc il a fait deux chapitres, super simple. Pour l'instant ça va, c'est compréhensible. Remplacer sur ce diagramme les trois filières énergétiques par directement les substrats utilisés. On y observe qu'on n'y parle plus d'anaérobie, d'aérobie, mais directement d'utilisation des glucides, de PCR, de lipides. De surcroît, on y observe la distinction entre l'utilisation des glucides de manière anaérobie et aérobie. Sur ce graphique, on amène une nouveauté vis-à-vis du graphique précédent. C'est la... Donc de nouveau, ce que lui, il appelle du coup aérobie, c'est la consommation complète jusqu'à l'intérieur de la mitochondrie, et la partie anaérobique, c'est la partie qui se passe juste dans le cytosol, donc glucose, qui forme deux ATP. La dissociation au niveau de la glycolyse, on dit... Bah justement, en fait, d'ailleurs, tu vois, c'est marqué là, il n'y a pas marqué aérobie, anaérobie lactique et aérobie alactique. On parle de énergie procurée par la phosphocréatine. On voit celle qui est par la glycolyse qu'on dissocie en deux. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie d'abord produite par la glycolyse anaérobie et ensuite... Donc ça, c'est le schéma que moi, j'ai fait en début de stream. Donc j'ai fait le jaune et le jaune foncé, si vous voulez. Donc la glycolyse et... ce qui se passe avec les résultats, donc pyruvate et lactate, de la glycolyse. Donc la glycolyse aérobie, c'est pas un joli nom, c'est un peu plus, c'est plutôt la suite de ce qui se passe avec les... Donc lactate, pyruvate, les produits de la glycolyse plutôt. Donc chaîne respiratoire, ATP synthase, etc. On dissocie en deux, c'est-à-dire qu'il y a l'énergie d'abord produite par la glycolyse anaérobie et ensuite l'énergie créée, enfin ensuite oui parce que c'est une suite, par la glycolyse aérobie, glycolyse, glycogénolyse d'ailleurs, en fonction de la molécule de départ, et enfin des lipides. Justement, et c'est là où je vais te faire intervenir, on va passer sur le niveau 2 de compréhension. Donc lui aussi il s'est rendu compte que d'un schéma à l'autre il passait du glucose au glycogène, donc il y a une étape de plus pour... ce qui rattrapera en cours de route, où on casse du glycogène et ça forme du glucose, et du coup on retombe sur nos pieds, on retombe sur la glycolyse classique. Donc le niveau 1 était celui-là, on passe au niveau 2, qui en réalité est exactement la même chose, on a juste déplacé les couleurs, d'ailleurs on garde le même code couleur, et on voit que, voilà, on a notre molécule de base, je suis parti du glycogène, on obtient une molécule intermédiaire, ce qu'on appelle donc la glycolyse anaérobie. Anaérobie parce que on reprend aussi cette terminologie, mais anaérobie ça veut juste dire sans pré... Sans... Alors, je sais pas pourquoi lui, il ignore complètement le pyruvate. C'est un choix, hein, c'est parce qu'on entend beaucoup parler de lactate quand on parle dans le sport en général, mais le pyruvate lui aussi rentre directement dans la mitochondrie. Donc le pyruvate qui est
le premier. Mince, comment ça s'appelle? Quand on fait une réaction chimique, il y a le réactif et le produit. Donc le premier produit de la glycolyse, c'est le pyruvate, et lui aussi peut rentrer directement dans la mitochondrie. Des fois, il se transforme en lactate, le pyruvate, et il rentre sous forme de lactate, mais pas forcément. Sans faire intervenir de l'oxygène. En soi, c'est juste ça. Et une fois qu'on est là, donc c'est en bleu, mais en réalité, ça pourrait être en, on avait pris quoi? Ça pourrait être en vert foncé, là, comme ça. Cette molécule qui est issue du glycogène continue d'être utilisée, cette fois-ci de manière aérobie, donc en présence d'oxygène dans cette étape-là, pour continuer à créer de l'énergie. Donc de cette molécule de départ, qu'on appelait initialement un aérobie lactique, en fait, on voit que elle rentre dans le ce qu'on appelle aérobie actuellement, pour continuer à être dégradé. Que du même molécule, en fait, eh ben on passe parmi deux filières, enfin, à travers deux filières énergétiques. Mais c'est pour ça qu'on est gêné que le terme glycolyse aérobie, parce qu'on dit bah c'est la même chose, là on a deux fois une glycolyse. Ah, mais ok, du coup, il est en train de lui dire, hein. Toi aussi, il y a un nom pour ça. Non, c'est qu'on a eu une première fois une glycolyse, donc une destruction. En fait, c'est pas vraiment. À la limite, on s'en fout de savoir quand ça se passe, c'est surtout où ça se passe. La glycolyse sans oxygène, donc la formation directe d'ATP et de lactate sur son schéma, ça se passe dans le cytosol. Alors que la glycolyse aérobie, tu dois passer dans la mitochondrie, et y a, après ça, effectivement, tu as une machinerie derrière, mais c'est. Donc il y a encore 15 transformations, 3 cascades différentes. On a dit création de pouvoir réducteur, on sort les protons, on fait rentrer l'ATP synthase, on doit ressortir l'ATP. C'est quasiment quelque chose à part. Donc utiliser le mot glycolyse pour la partie aérobie, c'est un peu bizarre. Bah non, c'est qu'on a eu une première fois une glycolyse, donc une destruction du glycogène ou du glucose, hein, parce que ça veut dire ça, lyse, et que le résultat continuera à se faire dégrader plus loin. Alors si on garde le terme glycolyse aérobie, on arrivera bien le comprendre. Après, c'est-à-dire qu'on pourrait appeler ça des phosphorylations oxydatives, mais ça fait un peu pompeux pour l'enseigner en sciences des sports. Et voilà, tu Phosphorylation avec un T, mais c'est ça, tout à fait. On crée des liaisons. Donc phosphorylation, c'est tout simplement, donc on l'avait sur le schéma, rajouter sur une molécule un groupement, juste un phosphate, donc un groupe, donc par phosphorylation. Et c'est cette liaison qui ensuite, en étant cassée, va libérer de l'énergie et qui va permettre la contraction du muscle. Donc la phosphorylation oxydative. Donc là, dans le. Je vais me remettre sur le. Là. Hop, hop. Donc ici, la partie, ce qu'on appelle oxydative, c'est dans le cycle de Krebs, on a créé un grand pouvoir réducteur. Quand on fait de l'oxydation de tout ce qu'on a, de tout le pouvoir réducteur qu'on a créé, donc la partie oxydative, on envoie les protons. Les protons qui sont accumulés ici re-rentrent ici par ATP synthase. Et on a dit que l'ATP synthase, elle permettait la phosphorylation. Donc là, joue le passage, en gros. Donc ici, si je fais un zoom ici, touc, touc, voilà, nettoyer un petit peu le tableau ici, là. Pof, pof, pof. Si je zoome ici, en fait, ce qui se passe, c'est que le proton qui était dans l'espace intermembranaire ici, il re-rentre via un complexe enzymatique, donc l'ATP synthase. Et du coup, ce que lui il fait, c'est qu'il fait rentrer du H+, et en même temps, il transforme de l'ADP, donc avec deux phosphates attachés, en ATP, donc il y a une phosphorylation ici qui se passe en utilisant l'oxydation précédente. Donc c'est ça que. Donc l'ensemble sorti des protons plus re-rentrée des protons, c'est la phosphorylation. Donc c'est ça la partie phosphorylation oxydative. Donc on oxyde le pouvoir réducteur qu'on a créé tout à l'heure. Tu l'as sous les yeux, c'est un bon continuum et tu l'as fait exprès, hein, ce qui est très bien. On part du lactate, c'est le lactate qui rentre dans les mitochondries pour apporter justement ce substrat pour refaire l'énergie. Et c'est là où ça n'a pas fait le tour encore partout parce que ça paraît assez nouveau.
alors qu'il commence à avoir quelques années en fait là-dessus. Et ça change énormément les écrits de biologie, de médecine, de pharmacie, de sciences du sport, de tout ce qui s'enseigne sur le vivant. C'est de se dire que c'est le lactate qui est effectivement le substrat de la filière aérobie. Alors qu'on nous l'a mis régulièrement comme une espèce de sous-produit fait à l'effort qu'on ne savait pas très très bien gérer. Ça a été... Oui. Oui, c'est le moment de se mettre sur le bingo. Alors, par rapport à ce qu'il vient de dire, oui, c'est pas un déchet. Oui. Mince, pardon. Hop. Ça, on vient de le voir sur le schéma. Donc le lactate, il peut rentrer dans la mitochondrie. Il en a parlé aussi, pas de souci. Il parle absolument pas de la du contrebalançage par des coenzymes qui permettent l'oxydoreduction. Pas de souci là-dessus. La glycolyse directe, donc anaérobie, il en a parlé, pas de souci. Le pyruvate, on n'en parle pas, mais pas de souci. S'il veut faire de la simplification, peut-être qu'il le garde pour plus tard. La cinétique et le fait qu'on en produise, il en a parlé, tout à fait. Ça, il n'a pas détaillé. Bon, moi, ça, c'est un truc qui m'amuse, donc pourquoi pas. Et tout ça, il n'en a pas parlé non plus, pas de souci. Et du coup, pour le reste, je ne pense pas. Ça, il n'en a pas encore parlé. Mais je sens que dans sa quatrième partie pratique, il va parler un petit peu de pas mal de cases qu'on a en bas. Et ben, on est pas mal là pour l'instant par rapport à ce dont on se rappelait. Hop, on continue. Fait en 1940, la glycolyse, ça a été posé sur papier, que ça avait l'air d'être très propre, c'était la réaction la plus aboutie de la biochimie, et elle commençait du glucose pour arriver au pyruvate. Et c'est là qu'à partir du pyruvate, on peut créer ce fameux lactate. Sauf qu'on s'est trompé pendant à peu près 60 ans. Pour ça qu'on nous sommes tous le résultat d'erreurs, ce qui n'est pas grave en fait. Il faut juste se dire que la science évolue, la recherche évolue, les gens publient, et on se paye le luxe de ne pas lire ce qu'ils écrivent, ça c'est un petit peu dommage. Mais ce continuum est très propre, comme ça il n'y a pas d'état bizarre, il n'y a pas du lactate dont on ne sait pas quoi faire, il y a un lactate qui est créé, qui continue, il va nous refaire ce que tu as fait là, il rentre dans des cycles qui ont l'air compliqués. Mais moi je vois ça comme des machines à laver. Et du coup, là ce qu'il dit entre les lignes, c'est l'accumulation du lactate, donc surtout que ça se faisait en même temps que l'accumulation de protons, parce que la glycolyse accumule aussi produit du H+, donc des protons, et que les gens se sont plantés pendant plein d'années, et ils ont cru qu'il y avait de l'acide lactique qui se produit, et dont on savait pas quoi faire, entre guillemets, parce qu'en plus, on le voyait pas jamais ressortir de la cellule. Et en fait, hein, on est en train de tout détruire pour en sortir juste les petits morceaux utiles qui vont devoir servir à la fin à refaire de l'énergie. C'est le premier pas qu'on fait pour comprendre que la notion de filière énergétique n'est pas dramatique en soi, mais qu'elle nous empêche de conceptualiser le métabolisme tel qu'il est vraiment comme un continuum. Je vais vous partager un second exemple de ce continuum que les filières énergétiques ne permettent pas bien de comprendre. Les stocks de PCR sont régénérés par les phosphorylations oxydatives et ils sont en réalité l'intermédiaire final pour donner l'ATP permettant la contraction. Parce que justement, l'ATP qui est issu de l'aérobie intramitochondriale passe pas forcément la phosphocréatine pour être transformée dans le produit final qui est l'ATP. Si on prend le sujet à l'envers, la phosphocréatine pour être... Oui, parce que du coup, dans notre schéma, lorsqu'on a fait sortir des protons, on les fait re-rentrer, on crée de l'ATP. Mais l'ATP, il est ici, à l'intérieur de la mitochondrie, et il y a encore deux membranes à passer, et du coup, pour ressortir... C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Généralement, les molécules, quand elles ont des membranes à franchir, elles peuvent pas les... ça passe pas. Hein. Donc il y a des complexes enzymatiques qui se passent ici. Et de la même manière que le lactate, il rentre ici sous forme de lactate, mais il arrive ici sous forme d'acétyl-CoA, et ben l'ATP, elle démarre sous forme d'ATP à l'intérieur de la mitochondrie, mais elle ressort sous forme de phosphocréatine. Vous voulez, a besoin d'aérobie. T'as juste, et on sait ça depuis 1976 quasiment. On avait découvert ce lien en 1976 sans l'expliquer en détail. Par une expérience sur un quadriceps entraînant un effort maximal jusqu'à épuisement des réserves de phosphocréatine, ils avaient regardé en combien de temps on récupérait. Il y avait cette fameuse courbe
nous montrait qu'il fallait 8 minutes pour être à 100% de la récupération, et puis qu'on avait récupéré 80% en 2 minutes, un truc comme ça. On en arrivait avec nos 90% en 3 minutes. Mais sauf que quand il faisait une occlusion au niveau de la cuisse, il n'y avait aucune récupération de la phosphocréatine. Ça pourrait être un devoir de biologiste en 5e. Émettez des hypothèses. Alors, il pourrait y en avoir plein. On avait compris surtout que sans oxygène, on ne pouvait pas reconstituer les réserves de phosphocréatine. Et ça, c'est mineur. Ok. Alors, juste pour... Parce que du coup, si, évidemment, si vous ne mettez pas d'oxygène, vous bloquez cette partie ici, et donc vous ne régénérez pas la phosphocréatine. Il le dit entre les lignes, je ne sais pas s'il va finir sa phrase, mais... Reconstituer les réserves de phosphocréatine. Et ça, c'est 1976, ça a 46 ans. Et ça explique aussi pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec des modèles de planification qui proposent de hauts volumes et beaucoup d'entraînement aérobie dans une première partie de la saison pour ensuite partir sur des efforts plus spécifiques. Ah, c'est la partie qui vous intéresse là. Généralement, ceux qui viennent sur Twitch, là, c'est tous les Zwifters et les gens de RGT. Donc c'est pour ça effectivement qu'il y a énormément d'entraînement zone 1, zone 2, on va dire, pour... augmenter le nombre de mitochondries, augmenter le nombre de canaux transporteurs de lactate et de pyruvate vers l'intérieur des mitochondries. Ça améliore l'agencement des mitochondries. Donc tout ça, ça améliore votre utilisation du lactate et ça permet de générer plus d'ATP, donc via la régénération du phosphocréatine, pour une quantité équivalente d'oxygène. À ce qu'on utilise, je pense par exemple au foot, je pense par exemple peut-être au sport de combat où en effet il y a des efforts très brutaux, des accélérations, des changements de rythme et certaines périodes de pause dans lesquelles on pourrait récupérer. Le problème c'est que ces modèles de planification après ont migré des sports auxquels ça correspondait très bien et ont migré vers les sports d'endurance où parfois c'est un peu moins spécifique parce que bah, au milieu de ton marathon t'es pas censé sprinter à un moment quoi. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas un chien, s'il n'y a pas un truc enragé, normalement ça devrait le faire. Il y avait ça sur le marathon d'Athènes, un chien qui avait poursuivi. Le mec James Kipkemboy, celui qui s'était écroulé, qui s'était pris un tramway. Sur ce, si t'as pas la vidéo, je l'ai. Bah 2004, j'avais 9 ans, Didier, donc. C'est horrible de raisonner comme ça. Alors oui, on ne parle plus de filière énergétique, mais la notion de débit est encore vraie. La notion de cinétique est encore vraie, de la même façon et dans les mêmes proportions que ce qui a été expliqué précédemment. Mais cela nous montre à quel point rien n'est isolé et comment tout est lié. Ça veut dire que si on prend les nomenclatures classiques, j'entraîne ma puissance aérobie, j'entraîne ma capacité aérobie, potentiellement on pourrait dire que bah, quand on entraîne son aérobie, en fait quelque part on est obligatoirement en train d'entraîner dans une certaine mesure son anaérobie. Tout à fait, parce que ça retarde le moment à partir duquel ça retarde. Vous pouvez jusqu'à des intensités plus grandes utiliser la filière aérobique et du coup vous n'utilisez les précieuses ressources de phosphocréatine que tardivement. Plus évidemment tout ce qu'on vient de dire avant, vous produisez juste simplement plus d'énergie aussi avec la filière de glucose, il y a moins de déchets et vous êtes un moteur avec un meilleur rendement. Et oui, parce qu'ils ne peuvent pas fonctionner l'un sur l'autre. À ce point, ça fait déjà pas mal d'infos pour une seule vidéo, je vous propose de faire un bilan de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Premièrement, l'énergie nécessaire pour produire une contraction musculaire vient d'une molécule riche en énergie qu'on appelle ATP. Et pour en créer... Comment est-ce que je peux faire ? Au fur et à mesure de... Parce que j'ai pas le son sur la scène avec le bingo. Alors, on va laisser faire le résumé, du coup on recochera, on refera un petit tour par le bingo après. La cellule musculaire a plusieurs moyens d'y parvenir. 2. La cellule musculaire, pour y parvenir, peut utiliser des glucides, des lipides, des PCR, des ADP. Ah oui, on n'a peut-être pas encore parlé des ADP. Il y a une chose qui est oubliée en anaérobie lactique, c'est qu'il y a deux réactions permanentes. On cite toujours la phosphocréatine, on oublie l'autre, qui est très importante, et qui suit en même temps. C'est que deux ADP peuvent se rencontrer, faut refournir un ATP, et fournir un produit qui s'appelle l'AMP. Bah, du coup, c'est ce que je vous dis au début. En AMP, il y a un groupement phosphate attaché. ATP, donc triphosphate, il y a 3. Donc il y en a 4. Hein. Donc c'est ADP, il y en a 2. Donc 2 et 2, il y en a 4 aussi. Mais c'est juste que ça se réarrange différemment. Mais ça permet de recréer de l'ATP. Et on a vu aussi que dans la cellule,
quand il y a beaucoup d'AMP, ça, c'est un signal pour du coup activer la glycolyse qui va du coup turbiner à fond. Monophosphate. Ça change pas grand chose à la compréhension. Sur toutes les illustrations précédentes, c'est inclus là où il y a marqué PCR. C'est juste une petite gourmandise pour essayer d'être un peu plus exhaustif dans un domaine qui est très complexe. Bref, revenons sur ce que je disais, la cellule musculaire peut utiliser pour recréer de l'ATP, des glucides, des lipides, des PCR, des ADP. 3. Chacun de ces substrats, dans le but de produire ces ATP, vont rentrer dans des réactions chimiques avec des cinétiques et des débits différents. Cinétique rapide, gros débit potentiel en haut, cinétique lente, débit modéré en bas. Ce qui permet au métabolisme d'être flexible et efficace en fonction de l'effort qui est demandé. Différents niveaux d'intensité qui sont illustrés sur ce diagramme, qui n'est pas une frise chronologique, comme on l'a déjà dit plein de fois auparavant. 4. Et 3 fois qu'il le dit, il peut être sûr. J'ai l'impression qu'il s'est fait avoir au début, je sais pas pourquoi. Comme un pressentiment. Scindé en 3 filières énergétiques, le métabolisme est en réalité un continuum. Un changement qui a son importance et qu'on a illustré dans cette vidéo avec 2 exemples. Le premier est que le PCR est l'intermédiaire final systématique entre l'ATP de la contraction et l'ATP produit soit par la glycolyse, soit par les phosphorylations oxydatives, les machines à laver. Le deuxième... Ah! On est en train, je pense qu'il va prendre... dans le dernier chapitre, il va faire une version avec encore plus de détails parce qu'on commence à voir qu'il est en train de parler d'oxydoréduction, il est en train de faire apparaître les coenzymes qui se font oxyder ou réduire. Il fait apparaître le pyruvate. D'ailleurs, il n'y a pas de flèche du pyruvate vers la mitochondrie. Vas-y, elle existe. Et que le lactate est le produit final de la glycolyse et qu'il est l'intermédiaire qui va rentrer dans la mitochondrie pour continuer à être dégradé, transformé de façon aérobie. Le produit final de la glycolyse, ce n'est pas le pyruvate, il n'y a pas une histoire d'oxygène, de pas d'oxygène, de je sais pas quoi, il n'y a pas non plus d'acide lactique, c'est facile. Attends. Qu'est-ce qu'il a dit là ? Le PCR est l'intermédiaire final systématique entre l'ATP de la contraction et l'ATP produit soit par la glycolyse, soit par les phosphorylations oxydatives, les machines à laver produits. Attends, pourquoi il a 3 ATP qui sortent ? Non, monsieur, il n'y a pas 3 ATP. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas 3 ATP. Je me dis depuis le début qu'il y en a 2, donc j'ai le droit de me défendre. En fait, quand vous faites la glycolyse, la première étape, c'est que vous passez du glucose au glucose 3. Alors, c'est ça ce truc barbare là, c'est qu'il y a un groupe en phosphoryle qui se met sur le troisième carbone du glucose. Voilà, le glucose c'est une chaîne avec des carbones, et du coup sur le troisième, quand vous partez de la gauche, vous croisez, bonjour monsieur glucose, vous l'étirez, et du coup sur le troisième carbone il y a un groupe en phosphoryle qui vient activer, c'est le terme, le glucose. Du coup, ça consomme au début un ATP pour faire ça, et après ça va en former 3, mais c'est sauf que du coup il n'y en a pas 3 qui sortent de la réaction complète, il n'y en a que 2. 3 moins 3 à la sortie moins un celui que tu as utilisé. Donc le bilan chimique, on va dire, c'est qu'il y a 2 ATP qui sont formés quand on consomme, quand on part du glucose ou du glycogène. Soit par la glycolyse, soit par les phosphorylations oxydatives, les machines à laver. Le deuxième est que le lactate est le produit final de la glycolyse et qu'il est l'intermédiaire qui va rentrer dans la mitochondrie pour continuer à être dégradé, transformé de façon aérobie. Le produit final de la glycolyse, ce n'est pas le pyruvate, il n'y a pas une histoire d'oxygène, de pas d'oxygène, de je sais pas quoi, il n'y a pas non plus d'acide. Alors, il n'y a pas d'histoire d'oxygène, pas d'oxygène, oh, ça on est complètement d'accord. Le pyruvate n'est pas le produit final, je ne suis... Alors, ça dépend comment est-ce qu'il le dit. En fait, le pyruvate peut continuer en lactate, et donc effectivement, le lactate n'est pas un déchet machin qui s'accumule, donc s'il le dit dans ce sens-là, oui. Mais les deux, pyruvate et lactate, peuvent tous les deux passer la membrane et du coup finir dans la mitochondrie. Donc ça s'arrête pas forcément au pyruvate, ça je suis d'accord, mais c'est pas... tout le pyruvate n'est pas forcément transformé en lactate non plus. Acide lactique, c'est facile, glucose ou glycogène, lactate. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire que l'on ne crée pas d'acide lactique. À la limite, je veux bien le vérifier ça. Donc je me le marque pour moi. Du coup, attendez, vous voyez pas sur le...
en train de... Je suis en train de mettre à jour ça. Du coup, ça est... Il fait une formulation qui laisse à penser que du coup, j'ai dit n'importe quoi. Enfin, ça dépend comment il le dit. Soit on dit la même chose, ça dépend comment on comprend sa phrase. Du coup, ça, il est en train de le montrer. On laissera le... On va laisser le reste de la vidéo pour voir s'il va jusque dans le détail du courantier. Directement du lactate, hein, et que c'est pas qu'un jeu de mots. Et c'est intéressant. Attendez, parce que du coup... Lactate. C'est-à-dire qu'il faut... Il y a un appel de la continuer à être dégradé, transformé de façon aérobie. Le produit final de la glycolyse, ce n'est pas le pyruvate. Il n'y a pas une histoire d'oxygène, de pas d'oxygène, de je sais pas quoi. Il n'y a pas non plus d'acide lactique, c'est facile. Glucose ou glycogène. Il n'y a pas d'acide lactique, on est d'accord. J'ai déjà entendu un certain coach parler d'acide lactique. Lactate. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire que l'on ne crée pas d'acide lactique, mais directement du lactate. Hein, et que c'est pas qu'un jeu de mots. Et c'est intéressant de le voir comme ça. Et ce gars est celui qui publie les choses les plus intéressantes sur le lactate. Enfin, ils sont trois auteurs sur cette planète à être très très intéressants. Je sais mal le prononcer, c'est S-C-H-U-R-R, je crois. Schur, je sais pas. Le mec est très productif. C'est lui qui signe le chapitre d'ouvrage là, du bouquin de biochimie qui est téléchargeable. Et il a même changé le titre en disant lactate, virgule, not pyruvate, is always the end product. Enfin, il a précisé pour dire c'est le lactate. Voilà. Et donc, c'est comme ça. Il a juste modifié son article scientifique pour faire un chapitre d'ouvrage, hein, pour dire il faut que ce soit très très clair là-dessus. Le lactate. Ok, donc peut-être un truc. Attendez, je vais voir hein, du coup. Google Scholar, monsieur Schur, est-ce que vous connaissez Google Scholar? Google Scholar, c'est très bien. Schur, pyruvate, lactate. Quelle année c'est publié ça? 2007. Ah bah 2007 c'est après... Je suis un vieux moi. Attendez, est-ce que vous voyez ou pas? Ou est-ce qu'il faut que je décale? Il va falloir que je décale, mais c'est pas grave. Je vais regarder en vitesse. Donc ça c'est après mes études, donc j'ai pas de soucis à changer d'avis si... Alors je me baserai pas sur un article, je regarderai après le stream, mais juste, c'est intéressant, du coup, la phrase sur laquelle j'avais l'impression qu'il disait pas la même chose que moi, il dit effectivement pas la même chose que moi. Donc là, je suis juste en train de décaler en supprimant les pages à gauche. Oui, tout à fait. Ça, je peux faire ça aussi. Mais est-ce que du coup, ça vous permet de tout voir? Je suis pas sûr. Presque. Oui, là vous voyez tout. Je suis juste en train de lire l'abstract. Vous l'aviez à l'écran. Non, je vais juste regarder. Du coup, ce qu'on fait, je sais pas à quel point vous êtes... habitué avec les articles scientifiques, et donc ce que font les gens, c'est pas que vous lisez dans l'ordre, c'est que vous lisez le titre, vous lisez l'abstract, vous regardez ensuite les figures, parce que du coup c'est tout l'article, en fait les figures résument ce qu'ils ont mesuré réellement en labo, en expérience, ou quel que soit le setting du papier, ça peut être des performances sportives, etc. Tout le reste qui est écrit autour ne fait que décrire et tirer des conclusions de ce qui est représenté sur les schémas. Et donc, ensuite vous relisez la conclusion. Et donc si vous voyez que le papier parle de choses intéressantes, soit vous lisez... Donc juste avec l'intro et la conclusion... Vous connaissez le message du papier, et après si vous voulez reproduire le papier et comprendre toutes les
on va dire, les subtilités, là où il y a des doutes, etc., vous pouvez lire la partie intermédiaire. Par contre, ce qui est assez rigolo, c'est que il nous rend. Nous, on disait toujours de redéfinir les abréviations aussi dans les légendes de figures, parce que là, sinon, c'est imbitable à lire. Ok, bon, bah, je me le laisse ouvert. Sachant que là, il se place au niveau du cerveau, qui est pas forcément le. L'organe qui s'en comporte le plus. Il ne comporte pas forcément de la même manière que les muscles. Et donc, ça, c'est la vue, ce que lui, il appelle classique, c'est-à-dire que on a du glucose qui donne du pyruvate. Et on a du lactate externe et du pyruvate externe. Alors ça, c'est pas parce qu'on est en train de dire exogène, donc externe à la cellule et externe à la réaction chimique qui viennent là. Donc c'est pas ce que je disais non plus. Mais par contre, moi, ce que je disais, c'était le pyruvate, une partie, se transformer en lactate. Lui, il dit que le glucose donne du pyruvate, donc comme moi. Et d'où vient son lactate, du coup? Le pyruvate donne du lactate. Ok, donc. Lui dit la même chose que moi. Ok. Donc ils ont une manière un peu. Attends, à moins que Alternative View, ce soit une autre vue qu'ils considèrent ancienne. Alternative pour. Comment est-ce que vous le comprenez? Alternative, c'est l'auteur propose ça comme une vue alternative, et je suis d'accord avec lui, ou Alternative View, c'est toujours ça c'est une vieille, et ça c'est une. Ça c'est une vieille vieille, et ça c'est une vieille qu'ils essayent de démonter. De Classic View. Ok, donc le papier dit que lui, sa vue alternative permet d'expliquer les résultats que lui voyait dans son expérience. C'est-à-dire que le glucose se transforme en pyruvate, ça on est d'accord, bah c'est ce que. On est d'accord, j'en sais rien, hein. Moi j'ai pas fait son expérience, mais c'est cohérent avec ce que je vous disais au début, donc je vous ai pas raconté de conneries. Une partie est transformée en lactate, mais aussi ce pyruvate ici peut être transporté dans la mitochondrie. Donc ça va, ouf, tout va bien. Pour l'instant, j'ai pas raconté de conneries, enfin je crois pas. Où est-ce que j'en suis dans les scènes OBS? J'en suis là, parfait. Ensuite, on l'a dit, il va être transporté dans la mitochondrie pour continuer à être dégradé. Plus le débit de la glycolyse augmente, plus la concentration en lactate dans la cellule musculaire augmente. Au bout d'un moment, différence de pression partielle, et il va se diffuser dans le sang. Non. La concentration en lactate augmente si la mitochondrie n'est pas capable d'accepter aussi vite le lactate qu'il n'est produit. Il va remplir d'autres missions. On s'arrêtera. Parce que du coup. Même lui, dans ses schémas, il montre bien que des efforts de 10 minutes, par exemple, enfin, des efforts soutenables de 10, 15, 20 minutes, etc., utilisent la partie glycolyse, ce qu'il a appelé aérobie. Et pourtant, ceux qui font des tests de seuil lactate, etc., savent très bien que le seuil lactate augmente sur des niveaux d'intensité encore plus haut. Donc, dès le début, c'est ce qu'on. Nous, on disait, même en zone 1, zone 2, zone 3, etc., il y a du lactate qui est produit, c'est juste qu'il disparaît et qu'il est pris, absorbé quasiment entièrement par les mitochondries et qui continue sa vie en étant, du coup, un précurseur du cycle de Krebs. Là sur la partie théorique de cette mise à jour sur le métabolisme énergétique. Si on arrive tous à assimiler et à transmettre toutes ces informations, c'est déjà pas mal. Alors après oui, on pourrait continuer à discuter. D'ailleurs, on a discuté de plein d'autres choses avec Didier Reiss, en particulier au hasard la notion de seuil. Je vous laisse un petit aperçu. Et seuil, par définition, un seuil, c'est un changement d'état. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un changement d'état. Or, il n'y a pas de changement d'état. Donc là, on est. On est d'accord. Le. Pas de soucis, ouais, merci Christophe d'être passé, c'est cool. Du coup,
on est d'accord effectivement, on est d'accord avec le docteur Rice que il y a pas de changement d'état. Il y a un changement. On plafonne juste. On arrive à la limite, à la vitesse maximale d'acceptation du lactate par la mitochondrie. Et du coup, tout simplement, c'est comme les bouchons. Quand vous avez devant vous une file de lactate qui essaie déjà de rentrer dans la mitochondrie et que la mitochondrie ne travaille pas assez vite pour l'incorporer et l'utiliser, et bah du coup, il s'accumule tout simplement dans la cytosol, donc le reste de la cellule. Et c'est là qu'on voit commencer le lactate à s'accumuler. Mais les réactions qui le forment n'ont pas changé. J'ai décidé de ne pas en parler ici parce que sinon la vidéo va faire deux heures. Après, c'est vous qui me dites. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo dédiée dessus avec les interventions de Didier Reiss, faites-le moi savoir en commentaire. Je vais pas vous mentir que si cette vidéo sort un jour, le lobby du testing de lactate risque de faire un peu la gueule. Mais bon, il y a beaucoup de choses à dire. Le testing de lactate n'est pas... Alors je sais pas pourquoi il dit ça. À voir du coup quand il sortira sa vidéo, ça pourrait être encore une autre chose intéressante. Le testing de lactate, pour moi, est intéressant pour une chose, c'est... Ça teste justement la cinétique, donc la vitesse maximale à laquelle le lactate peut être utilisé. Donc, vous pouvez en déduire, entre guillemets, la puissance maximale aérobie. C'est tout. C'est le seul. Mais bon, après, vous allez pouvoir me dire que des tests PMA, il y en a plein d'autres. Il n'y a pas besoin d'aller se faire des piqûres pour le, pour le tester. Mais c'est peut-être pour ça qu'il le dit. Je connais trop peu les mérites vantés du testing lactate pour savoir quelle partie ils pensent démonter. Allez, pour clore sur ce troisième chapitre, on se met une petite réflexion de Didier Reiss sur la fatigue. Je ne sais pas vraiment où la mettre, donc je vous la mets ici. Et puis ensuite, on enchaîne avec l'aspect pratique. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on fatigue à certains efforts? Est-ce que vous savez? Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer pourquoi on fatigue. Il y a... en fait, il suffit de regarder ce qui rentre à l'intérieur quand vous faites des réactions. Il faut des choses qui rentrent pour produire des produits. Désolé pour la phrase un peu répétitive. Et du coup, à l'intérieur des mitochondries, on peut manquer d'oxygène si on n'a pas assez d'oxygène. Et après, vous remontez la chaîne. S'il n'y a pas assez de lactate qui peut rentrer, donc si vous n'avez pas assez de canaux transporteurs, ou si vous n'avez pas assez de mitochondries, donc vous n'êtes pas capable de suivre le rythme demandé de production d'ATP. Plus haut, vous pouvez manquer de glucose, tout simplement parce que vous avez épuisé vos réserves en glucose, par exemple, ou les réserves facilement accessibles de glucose. Donc si vous avez du glucose libre à disposition, il va être utilisé en premier. Après, vous allez faire de la glycogénolyse pour aller taper dans le glycogène, libérer du glucose un par un, et du coup le mettre à disposition. C'est un peu plus lent, c'est un peu plus difficile. Et donc, il y a plein de petites étapes comme ça qui font qu'il y a des substrats qui commencent à manquer au fur et à mesure de vos efforts. Est-ce que c'est qu'une limite énergétique? Pendant longtemps, on a incriminé le lactate. D'ailleurs, non, on a incriminé l'acide lactique, c'est pas ça. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu plus? Ce sera ma dernière question et après on passera sur quelques questions de terrain. C'est un sujet super intéressant parce qu'à partir du moment qu'on a. C'est comme un procès. Tu viens d'innocenter quelqu'un. Ok, il est innocent. Ah oui, mais c'est qui le coupable? Ah là, le mystère n'est pas résolu. Donc voilà, lactate, c'est pour. Il y a ça et il y a les coenzymes. On a vu aussi que c'est des réactions d'oxydoréduction. Donc l'autre accusé, c'est la régénération des coenzymes qui vont être... Parce que du coup, on a vu par exemple... Hop, je remets le schéma qu'on avait tout à l'heure là. Donc ici, ici. Par exemple, juste pour la glucose, mais vous avez la même chose à plusieurs endroits derrière. Vous avez du NAD+, qui doit être utilisé, qui doit être réduit en NADH+. Le transformation du pyruvate en lactate le régénère. Mais si vous avez, pour une raison ou une autre, un ralentissement de la transformation du pyruvate en lactate, et que vous ne régénérez pas assez de NAD+,
et ben du coup, vous ralentissez le. Vous n'êtes pas capable de réaliser cette partie ici de la réaction. Donc il y a à la fois les substrats, genre manque de glucose, les manques des coenzymes qui peuvent venir ici, le manque d'oxygène qui a besoin d'interagir ici, d'intervenir ici dans la chaîne respiratoire. Je ne suis pas sur la bonne chaîne. Voilà, la bonne scène. Ah oui, très bien. Mais et alors? Bon, à chaque fois, j'aime bien aller voir ce qu'il y a de nouveau. Il y a pas grand-chose de nouveau, en fait. On en est encore. Il y en a un qui était bien. Hein, c'était Biologie de la fatigue musculaire. L'article n'est pas très vieux, il a 3-4 ans. Vous avez identifié déjà 9 secteurs fatigables à l'entraînement. Et en fonction de l'intensité de l'effort, ça changeait tout. C'est-à-dire que si on fait des sports de force, si on fait un sport intermittent, si on fait un sport. Continue, intense ou non intense, on n'a déjà même pas les mêmes fatigues. Donc on n'a pas les mêmes sites dans un corps. C'est cool parce que du coup, en préparant là le live, je m'étais posé cette question. Les réponses que je vous ai données, c'est ce que moi j'avais estimé du coup. Et j'avais pas non plus un coupable idéal. Et du coup, c'est cool de voir que c'est pas encore non plus genre bien connu à 100% sûr, etc. Quand même un qui sont en train de fatiguer. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas identifié un coupable. C'est un ensemble de coupables. Sur les efforts de longue durée, c'est pareil tout à l'heure des pompes. Pour faire une contraction musculaire, on doit envoyer du calcium. Mais pour que la contraction musculaire se calme, il faut repomper le calcium. Et ça en permanence. Et donc, une pompe, rien que par son nom, pompe, c'est-à-dire que ça fonctionne avec soit de l'électricité, soit de l'essence, si c'est du bricolage, donc dans un corps humain, ça fonctionne avec de l'ATP. On a des pompes qui fonctionnent avec le glycogène. Quand le glycogène il commence à être épuisé parce que l'effort devient très très long, bah, la pompe elle fonctionne très très mal. Donc forcément la contraction musculaire n'est pas performante. Et là, rien à voir avec le lactate. Là, c'est un manque de glycogène sur une des pompes. La chaleur, la conduction de l'information, les enzymes utilisées. On a ça de critères. J'adore prendre l'image moi de les petites émissions qui s'appelaient Était une fois la vie. Où à chaque fois, le cerveau, c'était maestro, c'était avec sa longue barbe, ses moustaches, et il avait plein d'écrans de contrôle. Il faut imaginer que c'est le cerveau qui décide de beaucoup de choses quand même. Quand il a plein d'écrans rouges, s'il a déjà vécu ça, et qu'il sait que derrière ça fonctionnait, il va continuer. S'il a plus d'écrans rouges qu'une situation qu'il a connue, il peut arrêter. C'est-à-dire que des fois, la fatigue, elle est même pas, c'est même pas une catastrophe physiologique. Il y avait écrit comme ça dans la littérature, avec le mot catastrophe physiologique, je l'adore ça. C'est de se dire, c'est des fois, c'est le système nerveux. Situation inconnue, j'ai peur, je coupe. Et on verra après coup. Et le après-coup, c'est quoi? Tu es conscient, t'es pas tombé dans les pommes, hein, ça fait 2 jours, t'as pas eu de douleur. Et puis il y a une autre chose aussi qui est intéressante. Alors je sais pas s'il va en parler, mais du coup, j'anticipe. Il y a tout ce qu'on appelle les dettes en oxygène, etc. C'est-à-dire que quand vous faites un effort, si vous faites du vélo, vous faites un sprint, vous avez besoin d'énormément de ressources au niveau des jambes. Si vous êtes au-dessus de la capacité de production locale d'énergie, pour plein de raisons, votre corps est capable, pendant une durée déterminée, de réorienter les ressources vers ces muscles-là et vers ces organismes-là. Donc, par exemple, il y a une dette en oxygène qui peut se créer où vous allez dépléter. Alors, je ne sais pas si c'est un mot anglais, je suis en train de faire un barbarisme, mais en tout cas, vous pouvez piquer de l'oxygène temporairement à certains organes et les mettre en shutdown pour aller rapidement combler un besoin impérieux au niveau des muscles et des jambes. Sauf que, comme tout emprunt, il doit être remboursé, surtout que votre corps il rigole pas, donc vous pouvez pas faire banqueroute. Au bout d'un moment, il y a remboursement nécessaire et les autres organes vont de nouveau se voir réaffilier une partie du flux sanguin, de l'oxygène, etc. Et donc, il y a certains niveaux d'efforts qui ne sont pas maintenables aussi à cause de tous ces mécanismes-là qui permettent à vos muscles de fonctionner en sur-régime, mais juste pour un temps limité.
ou le genou, t'as pas eu de l'euro au mollet, bah, la prochaine fois, il te laissera peut-être aller un peu plus loin. Et au fur et à mesure de cet apprentissage, il te repousse des petites limites par étape, par étape. Parfois, c'est une catastrophe physiologique. T'as pas mangé depuis 4 jours, tu vas faire le marathon, c'est vrai que tu manques de glycogène, les 10 premiers kilomètres vont être très durs et les 32 derniers, impossible. Donc, entre un manque de minéraux, entre un manque de réserves énergétiques, une chaleur qui augmente, d'ailleurs, s'il fait 30 degrés dehors ou s'il fait 5 degrés, tu feras pas la même performance. C'est, en fait, la réponse pour l'instant, elle n'existe pas. Il y a des articles très propres qui essaient de nous dire. Bah, si, elle existe. C'est, du coup, il n'y a pas un coupable, c'est. Il l'a très bien dit. En fonction du type d'effort, le coupable qui saute en premier n'est pas forcément le même. Attention quand même, l'acidité, quand elle est là, plus, pas de l'ATP, mais avec une présence d'ADP, quand il y a deux critères, là, il y a peut-être des capteurs qui se mettent en route dans la cellule. Mais le critère par acidité, il y a une très bonne vidéo qu'on peut retrouver, si vous allez sur Google, vous marquez 30 ans, 15 ans là, vous tombez sur le site de l'Université de Poitiers, et dedans, il y a plein de vidéos, donc de journée à la cour. Elle est de 2011, et il parle de la fatigue musculaire pendant 40-45 minutes. Et j'adore quand ils citent cette expérience où ils ont fait respirer du CO2 à des jeunes pour faire baisser le pH sanguin et le pH musculaire. Ils leur ont demandé de faire... Oui, parce que du coup, quand le CO2 se dissout dans l'eau, dans le sang, etc., vous avez de l'acide qui se forme, du gaz carbonique, c'est acide plutôt. Donc dans l'océan, c'est pareil, l'acidification actuelle des océans due au relargage de CO2 dans l'atmosphère, c'est un phénomène en cours aussi. Ça a plein de conséquences. Ça n'a rien à voir, c'est normal. C'est la 27e, la 27e digression de ce stream, mais c'est normal. Faire des gros efforts. Alors ils n'étaient pas en super forme, mais ça fonctionnait bien. Le pH seul n'était pas un problème, qu'il soit sanguin et musculaire. Donc, et on parle bien d'acidité là. Donc vraiment, on sait que le lactate n'est pas un problème, mais alors on dit, et c'est qui? Voilà. Et il y a encore des gens qui bossent dessus, il y a encore des gens qui vont faire des thèses là-dessus, il y a des gens qui vont encore faire des protocoles. Et encore une fois, des protocoles de fois de laboratoire, ce qui est compliqué. On aimerait trop prendre des gens qui viennent de finir un marathon, et puis de faire une biopsie derrière, mais enfin un mec qui vient de souffrir 42 km, il y a un gars qui vient pour lui creuser un bout de muscle, ça serait du bleu. On n'a pas encore une jolie explication de la fatigue musculaire. On a plein d'acteurs potentiels. C'est pas grave, avec la multiplication de tests comme les tests lactate, etc., je suis sûr que vous allez trouver des gens qui vont faire des 3 heures ou 4 heures de sel sur Zwift et qui vont ensuite se piquer pour faire des prélèvements pour pouvoir les afficher sur Strava. Donc on va finir par les avoir, les données. On va finir par les avoir. Et le cerveau est un vrai acteur. Il y a un bouquin qui s'appelle L'Endurance qui est bien. Il a été traduit en français d'ailleurs, on peut le retrouver chez Enfora, traduit par Olivier Poli, où il recite l'expérimentation où tout le monde met la main dans l'eau froide. On sait que tous les sportifs résistent plus longtemps juste à ça. Et c'est un capteur de douleur. On sait que le sportif, il connaît la douleur, il sait ce que c'est de se faire mal, surtout dans les sports d'endurance. Bien plus que dans. Je connais pas mal le foot. Foot, ils se font pas souvent très mal. Ceci est une très bonne conclusion à ce chapitre, avec le petit rôle des footeux. Est-ce que le fait de modifier, de changer tout ce qu'on s'est dit, est-ce que ça change tout sur le terrain? Et là, on dit oui. Putain, on a réussi à faire des gens qui courent 2h01 au marathon et en fait, on a fait de la merde depuis le début. Ils auraient pu faire 1h45. Mais en plus, attends, mais c'est l'argument que j'allais sortir. D'ailleurs, même si on n'y connaît rien en physiologie, on va nous sortir un mec en 2h01 et 12 secondes. Parce que ce qui compte, c'est quand même de s'entraîner. On peut lire des bouquins pendant 3 heures ou aller courir 3 heures. Je pense que d'aller courir 3 heures, ça serait déjà plus intéressant pour stresser l'organisme. On connaît l'intermittent. Ah, dommage. Moi, je préfère lire des bouquins. C'est pour ça que ça marche pas. Je ferais mieux de faire des heures de sel en plus plutôt que faire des vidéos comme ça. Je le savais depuis le début. Attends, on sait faire des tests, on sait calculer un petit volume hebdomadaire. Donc, on n'est pas trop dans le faux grâce à l'empirisme mélangé quand même à de la science qui a apporté des nouvelles techniques. Donc, on peut être complètement dans le faux physiologiquement et puis faire des bons trucs sur le terrain. Donc, mais même moi, j'arrive à relativiser ça et je pourrais même. Alors, le but de ces vidéos étant évidemment d'être de moins en moins dans le faux, il y a toujours un flou, mais ça, c'est à la limite un flou intéressant de savoir que à la fin de cette vidéo, vous êtes
à la limite de la connaissance actuelle de la physiologie et de la production d'énergie à l'intérieur de vos cellules, donc ça c'est cool. Si évidemment cette vidéo est compréhensible de bout en bout. Mais du coup, je voudrais pas que vous partiez de la vidéo en vous disant qu'on est dans le faux. Alors sur le... Par exemple, les schémas qui sont montrés sont des schémas qui sont quasiment à 95% sûrs. Genre, on sait comment l'énergie est produite, on sait qu'est-ce qui mène à quoi, etc. Et du coup, on peut comprendre. Et donc, pour chacun, par contre, si vous prenez chacune des petites étapes qui se passent, il y a effectivement encore beaucoup à creuser. Une des digressions de tout à l'heure, par exemple, c'était de dire, bah, le médecin biologiste là de Pogacar, il dit, déjà quand on regarde, il a plus de canaux transporteurs de lactate que les autres. Et en plus, après, il y a d'autres papiers indépendants, pas par ce mec-là, mais qui montrent que quelqu'un qui s'entraîne a... donc il y a une partie génétique, et quand quelqu'un qui s'entraîne va avoir, au bout de 3 mois, plus de canaux transporteurs de lactate. Vers la mitochondrie. Donc, on peut comprendre quand même comment améliorer ses performances, etc. Il faut pas partir des fétistes de cette vidéo. Croyez en la connaissance. Collaborer avec un entraîneur qui serait nul en physio, mais qui a des bonnes techniques et qui encourage bien ses entraînés. On a parlé tout à l'heure de méthodologie de l'entraînement qu'on a sur le terrain qui se compartimente en capacité-puissance sur les trois filières énergétiques énoncées au tout départ. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que c'est pertinent pour, en termes de nomenclature? Est-ce que c'est pertinent en termes d'efficacité? Alors c'est là où les gens on pourrait les perdre, on va dire mais si, mais on garde, parce que même si le mot, et c'est pas qu'il est, il est faux, c'est que ça correspond bien à une méthodologie, ça veut dire qu'on met bien une intensité à un moment donné, on met bien une durée, donc en fait ça va, moi, de mettre des petites cases comme ça, parce qu'en plus, ça fonctionne depuis très très longtemps maintenant. Moi ça me parle encore qu'on mette de la puissance lactique, de la capacité lactique, parce que finalement ça paraît, comme j'ai dit, de compartimenter, de hiérarchiser, de pouvoir faire une planification, hein, de faire une période, donc de l'hyperlisation, de faire une programmation. Je suis pas gêné en fait qu'on garde en fait cette méthode, parce que sinon on mettrait quoi à la place en plus? Parce que si on dit tout est faux, d'accord, mais on met quoi à la place? Je sais pas. Je le répète depuis très longtemps, ce qui prévaut, c'est la logique interne. On peut se battre pour savoir ce qui fonctionne le mieux, ce qui semble être le plus pertinent scientifiquement, mais n'oublions pas qu'on a réussi à faire de grands champions avec des techniques d'entraînement très différentes. Et en fait, on se rend compte que parfois, hein, 12 fois 1 minute à 1 minute à VMA, ça peut, si on analyse ça d'un point de vue scientifique, avoir les mêmes résultats qu'un 5x5 au seuil, en tout cas de ce qu'on peut observer. Il y a une notion d'équivalence au niveau des stress. En muscu, aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Donc là, du coup, cette phrase-là, elle est assez... C'est assez flou parce que du coup... On a vu que ça variait énormément d'une personne à l'autre. Et du coup, de savoir, de pouvoir... c'est pas bien en gros d'annoncer que tel exercice produit le même résultat que tel exercice présenté d'une manière... avec une formulation générique, on va dire. Donc du coup... mi-fan. Je sais pas comment, du coup, l'invité va répondre. Une notion d'équivalence au niveau des stress? En muscu aujourd'hui c'est beaucoup plus facile, c'est bien plus écrit, c'est bien plus tranché que sur le développement du VO2. On est capable sur le développement de la masse musculaire de sortir des petits ratios, des méthodes qui sont comparables. Plus difficile dans l'endurance, tellement il y a de choses. Bah oui, parce que du coup, l'avantage de la muscu c'est que du coup vous travaillez sur des efforts courts et où il n'y a pas... où il n'y a qu'une seule filière, en gros. Il y a la filière courte. Et il n'y a pas, du coup, toutes les interactions dont on parle depuis le début, que ce soit dans ma présentation courte du début ou dans les premiers schémas qu'il a présentés.
avec toute la voix aérobie, etc. La muscu, c'est pas des efforts de 2 heures. Et puis surtout, c'est très très dur à observer. L'hypertrophie, c'est simple. T'as pris du volume musculaire, ça se mesure. S'il faut faire des tests de vos doigts à tout le monde, c'est compliqué. Si on veut regarder une densité mitochondriale, je sais pas combien il y a de labos en France capables de le faire. Ben voilà, exactement. Un peu moins de données. Et pourtant c'est réel. Alors oui, la science permet d'améliorer certaines façons de faire. Mais pour moi, la science doit permettre d'adapter, de donner du sens à une logique interne, à une méthodologie d'entraînement déjà bien rodée. Appliquer bêtement des concepts scientifiques à l'entraînement sans méthode, sans colonne vertébrale, pour moi, c'est comme donner un vélo à 15 000 euros à un débutant. C'est très joli sur Insta, mais ça ne le fera pas avancer beaucoup plus vite. Alors qu'une logique interne bien ficelée, peut-être un peu trop ancrée dans l'empirisme, c'est David Godu sur un vélo à 300 balles. Ça pourrait aller plus vite, mais ça reste quand même une brute. Il y a... Ou David Godu avec un capteur mal calibré. Et du coup, pour la private joke, du coup, ceux qui l'auraient pas compris, du coup, David Godu a fait le dernier Tour de France avec apparemment un capteur qui surestimait ses puissances. Du coup, c'est pour ça que vous l'avez vu monter tous les cols en version diesel par rapport aux autres. C'est-à-dire que lui, il voyait 400 watts affichés, il faisait « Oh là là, moi je tiendrai pas 20 minutes à... » ou j'en sais rien, moi, à 500 watts. Et je... « Oh là là, je tiendrai pas à ce rythme-là. » Alors qu'en fait, il allait réellement à 450 watts. Et du coup, il pensait avoir explosé tous ses records de watts sur toutes les montées, mais en fait, non, c'était son capteur qui surévaluait. Du coup, non, bah, par rapport à... moi j'aurais tendance à être un peu plus optimiste du coup que Iron Human. En gros, les plans d'entraînement actuels sont effectivement par empirisme assez efficacement, et je suis content que la partie biochimie fait un bon backup, on va dire, et permette d'expliquer pourquoi les exercices marchent, parce qu'on comprend vraiment à 95% pourquoi tel type d'exercice va améliorer le transport de l'énergie, ou la mobilisation de l'énergie, ou la cinétique, genre la capacité, la quantité totale d'énergie qu'on est capable de fabriquer, etc. Donc j'aurais tendance à voir ça comme la science explique pourquoi on fait ces exercices. Lui, il voudrait que la science soit tellement bien connue que du coup, on modifie la manière de faire les exercices, ce qui est beaucoup plus dur, effectivement, et ce qui, du coup, le pousse à être plus pessimiste. Beaucoup de méthodes d'entraînement qui, en fait, avant d'être prouvées scientifiquement, sont issues de l'empirisme, et c'est a posteriori qu'on fait des analyses et qu'on dit « Ah, ben, en fait, ce que les entraîneurs ont analysé sur le terrain, oui, en fait, c'est comme ça que potentiellement ça fonctionne le mieux. » Je pense à l'entraînement polarisé, l'entraînement pyramidal, où en fait c'est une observation du terrain. Pourquoi, comment ont évolué les méthodes d'entraînement? Ah, ça a tendu vers ça. Et après, ils essaient de trouver une explication. Mais à l'inverse, est-ce que tu as en tête une évolution de la compréhension scientifique des choses qui ont amené une modification sur le terrain de la manière de faire? Oui, alors facile, pour la récupération. Donner à son corps plus de substrat. Genre tous les coachs qui donnent à tous ceux qui font des exercices de force, de la créatine, etc., pour permettre de maintenir la charge et d'avoir assez de substrat pour pouvoir faire des répétitions d'efforts, pour pouvoir aller jusqu'au bout de certains entraînements hyper poussés. Le fait de ne pas limiter ton corps, donc par exemple faire des entraînements avec plus d'oxygène que dans l'atmosphère ambiante, pour ne pas être limité par l'oxygène et permettre de se passer de certains seuils pour pousser tes cellules au-delà de leurs limites naturelles, on va dire. Tout ce genre de connaissances peut changer effectivement au moins la technique que tu utilises, genre par l'addition de créatine, d'oxygène artificiel, etc., pour te permettre de t'entraîner plus. Je m'amuse à essayer d'anticiper les réponses pour... C'est comme ça qu'on voit si on a compris ou pas, et si... De la compréhension scientifique des choses qui ont amené une modification sur le terrain de la manière de faire. Peut-être les fameuses récupérations actives, quand même. Là, il y a eu des changements. Et pourtant, quand récupération active, c'était se dire qu'on avait de l'acide lactique dans le sang, et que si on allait faire un petit footing, il disparaissait du sang.
Alors déjà, jeu de mots, c'était pas de l'acide lactique mais du lactate, et c'est vrai que quand on va courir, eh ben on voit moins de lactate, mais parce qu'il a été consommé sur les basses intensités. Tout à fait. Le lactate disparaît parce que, eh ben parce que du coup, quand vous faites des efforts, eh ben vous avez besoin de lactate pour aller dans la chaîne respiratoire. Donc forcément, il disparaît. Mais comme il disait, il n'y a jamais eu d'acide lactique, donc c'est, vous avez juste consommé de l'énergie, vous avez consommé, pardon, du bon lactate qui vous aurait peut-être servi plus tard. Alors là, l'erreur, c'était, c'est important, c'est que si on va réitérer une compétition demain, c'était une très mauvaise idée des fins de récupération active, parce que finalement, on va consommer du carburant qui aurait pu servir demain. Ah, content, c'est bon. c'est quand on donne les mêmes réponses, généralement, c'est qu'on est c'est qu'on a compris. Et ça, c'est, voilà, ça, c'est bien démontré. Il y a beaucoup d'équipes qui font attention maintenant. Hein. Vous avez fait un match de foot lundi, vous en faites un mardi. Il n'est pas question d'aller faire un footing de 20 minutes ce soir. Allez vous reposer. Et d'ailleurs, le terme récupération active ne va pas récupérer activement. Je prends toujours l'exemple d'une voiture. Moi, si je viens de faire de la Formule 1, j'ai fait 72 tours de la piste. Je ne refais pas un tour tout doucement pour faire récupérer la voiture. Elle ne peut que consommer du carburant. Donc, j'éteins le moteur et puis je la laisse refroidir. Un être humain, c'est pareil, c'est pas en allant faire un footing qui recrée de l'énergie, ou alors on a raté quelque chose de fondamental en biologie et même en physique. Le mec, il a une dynamo et quand il va courir, il refait des réserves quelque part. Donc le terme récupération active ne va pas. L'une des compétitions les plus suivies au monde est le Tour de France. Et je pense que ça entretient beaucoup. Tu vois les gens qui finissent l'étape. Alors aujourd'hui, avant c'était systématique, quel que soit le coureur, quelle que soit sa manière de courir, il franchissait la ligne et elle allait directement sur le home trainer. C'est la ligne, il remontait sur le vélo. Aujourd'hui, ça se limite à ceux qui finissent au sprint, qui font 10 minutes, 15 minutes sur le vélo. Mais c'est ça qui entretient aussi beaucoup dans l'inconscient collectif. Alors, ce qui est dingue, c'est que quand j'observe ça encore, même moi, je me pose des questions. Et j'ai des collègues qui sont bien plus spécialistes que moi sur le vélo. Donc, des fois, j'aurais posé cette même question. Je vais te dire ce qu'ils m'ont répondu. Bah, parce que c'est des blaireaux. C'était là. Ok, vous n'avez pas une réponse physiologique. Pourquoi le gars va faire 10 minutes? Alors j'en ai entendu des plus sévères hein, de la part de gens très haut placés sur les contrôles biologiques. Tu avais ceux qui expliquaient bah, les gars sont trop chargés. Ah bon, mais et alors là, physiologiquement, j'ai du mal à trouver une explication. Alors, peut-être qu'en nous écoutant, quelqu'un viendra nous expliquer quelque chose d'intéressant. Je n'ai pas l'explication physio. Moi, la seule explication que j'ai aujourd'hui, c'est une explication que je donne sur beaucoup de choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement. C'est si vous sentez que ça vous fait du bien, faites-le quoi. Mais aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de preuve que ça a un intérêt particulier. Ouais, je le dis comme ça, mais de la même manière que si vous voulez vous étirer après un effort parce que vous sentez que ça vous fait du bien, bah. Grand bien vous fasse, hein. C'est ça, exactement. C'est exactement ça, c'est plus comme des routines du coup. Mais ouais, quand vous faites des efforts hyper intenses et que vous vous relâchez complètement, il y en a qui peuvent avoir une espèce de shutdown après, derrière. Et du coup, juste le fait de faire, alors vraiment tranquillement, quelques tours de pédale, ça permet de revenir au rythme cardiaque. Normal, on va dire, et du coup, ça peut servir de routine. Mais effectivement, tu refais pas 30 minutes à 70% d'intensité. Effectivement, ça te grille juste des cartouches pour les jours d'après. Alors oui, on relativise, mais j'espère cependant que cette vidéo vous aura quand même permis de cerner un petit peu les enjeux et pourquoi est-ce que la notion de filière est en réalité limitante. Quand vous faites un entraînement capacité anaérobie lactique, par exemple, est-ce que c'est réellement ce que vous travaillez? Est-ce que vous ne travaillez exclusivement que ça? On l'a vu avec cette notion de continuum, très certainement que non. Mais quand bien même l'explication théorique de ce que vous faites dans la pratique n'est pas bonne, c'est pas vraiment grave, tant que ça correspond à quelque chose de logique dans votre planification. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'entraîneurs ont des classifications d'entraînement avec des noms très différents. Mais si on regarde dans les détails, les entraînements sont les mêmes. C'est juste le nom qu'on donne à ce type d'entraînement qui est différent. Quand vous voulez progresser sur 10 km, est-ce que vous ne devez courir que autour de votre allure 10 km? Très certainement que non plus. Surtout si on utilise le verbe devoir. Même avec des intensités assez éloignées, cette notion de continuum nous fait comprendre qu'il y aura des bénéfices par ruissellement, et parfois même
permet le développement un peu plus rapide, spécifique, de certains facteurs limitants. Je pense que le meilleur exemple pour ça, ce sont tous les sports avec des changements de rythme, des sprints à répétition, qui sont largement bénéficiaires d'un système oxydatif performant. Et c'est un excellent exemple de à quoi peuvent en réalité servir ces connaissances sur le terrain. Faire seulement des efforts ultra intenses pour un boxeur, ce qu'il a peut-être l'impression de faire en combat, c'est peut-être pas le meilleur moyen de travailler son système oxydatif et donc sa répétition d'intensité très élevée dans le temps sur plusieurs rounds. J'ai pris dans cette vidéo... C'est ça, toute la partie récup, toute la partie élimination du... Ah, élimination, j'aime pas le mot élimination du coup. Toute la partie transfert de lactate, utilisation d'énergie pour durer sur la longueur. L'exemple des sports de ballon, des sports de combat, mais on aurait pu aussi très bien parler de l'aviron, du crossfit, où les enjeux sont en réalité les mêmes. Avec toutes ces remises en question, n'oublions pas que la science n'est pas toute puissante et que l'empirisme a en réalité aussi de la valeur. Par exemple, personnellement, je garde la notion que l'entraînement doit être de plus en plus spécifique au fur et à mesure que l'on approche de la compétition. Pour moi, être spécifique trop tôt ne sert à rien, mais en tout cas, avoir cet aspect spécifique au fur et à mesure qu'on s'en rapproche permet d'améliorer la performance en bout de ligne. Et pourtant, la science parfois semble montrer que ce n'est pas une obligation. Et pourtant, l'empirisme continue de gagner la bataille chez moi et aussi chez beaucoup d'autres entraîneurs. Aujourd'hui, on a tendance à dire « Ah bah si je veux développer telle qualité physique, je dis n'importe quoi, si je veux développer ma consommation maximale d'oxygène, j'ai besoin de travailler à consommation maximale d'oxygène ou légèrement au-dessus ou autour. Si je veux développer ma capacité à transporter le lactate, je vais m'entraîner à MLSS ou très légèrement au-dessus. Mais en tout cas, pas trop au-dessus non plus, parce que à quoi ça sert puisque le processus est arrivé à sa limite. Est-ce que d'après toi, cette façon de procéder qui est empiriquement fait beaucoup de sens? Est-ce que scientifiquement ça fait du sens? C'est le premier seuil de lactate, donc le moment où le lactate s'accumule parce qu'effectivement il rentre plus assez vite dans la mitochondrie. Ou est-ce qu'on est un peu dans le faux? Peut-être tu me demandais scientifiquement alors que j'allais répondre plutôt d'un point de vue entraînement. C'est moi entraînement et puis... On peut faire les deux, mais parce que effectivement, tu l'as dit, pour développer vos deux max, d'ailleurs, je crois que le cours d'hier ou d'avant-hier, je l'ai encore dit, non c'est avant-hier, pour développer vos deux max, il faut passer du temps à vos deux max. Tu vois, ça avait l'air bête, mais c'est pas si bête que ça. Si on veut développer la force maximale en musculation, il faut faire des efforts à force max, sauf qu'on s'est mis bien... C'est rigolo du coup, parce que du coup, je suis pas d'accord. Pour le VO2 max, typiquement, le VO2 max dépend du nombre. En gros, c'est la quantité d'oxygène que vous êtes capable de consommer. Donc, c'est la cinétique de tout ce qui se passe à l'intérieur de la mitochondrie. Mais quand on dit la mitochondrie, c'est une abstraction. C'est en gros de ce qui la cinétique de ce qui se passe à l'intérieur de toutes les mitochondries que vous avez. Et du coup, de faire des exercices qui sont basse intensité mais longtemps, on a prouvé, ça a été prouvé, je veux dire, moi j'ai rien prouvé du tout, j'ai juste lu, que du coup ça multiplie le nombre de mitochondries, le nombre de canaux, l'organisation des mitochondries, etc. Donc, et en conséquence, une des conséquences, c'était que du coup, ça améliorait la VO2 max des athlètes, sans avoir fait des exercices à VO2 max. Les athlètes ont fait de la zone 2 en gros, mais du coup, avaient une meilleure cinétique. Rendu compte qu'en faisant des efforts très intenses, répétés, on développait VO2 max. Et là pourtant, on passait pas beaucoup de temps à VO2 max. Et alors là, il y a le côté scientifiquement, j'ai envie de dire, non, regardez, on peut développer VO2 max sans passer du temps de max, ou parce que finalement il a été atteint, contrairement à ce que nous on pensait. Hein. Et ça veut dire que l'intensité a compensé finalement un faible volume, parce que ça revenait pareil sur une... Parce que peut-être que c'est une dépense énergétique ou calorique qui compte. Et c'est pour ça qu'il y a toujours, et il y aura toujours la bataille entre système pyramidal et système polarisé. C'est que l'adaptation... Il n'y a quand même pas 36 000 intermédiaires et 36 000 mécanismes dans la production d'énergie. Et du coup, de passer beaucoup de temps
à faire de la zone 1, zone 2 par exemple, ou de faire quelques exercices répétés, peuvent avoir les mêmes conséquences. Votre corps s'adapte parce qu'on lui demande de produire plus d'énergie. Produire plus d'énergie, ça peut être, ok, on a vu la créatine, mais c'est limité, et du coup, développer le système respiratoire, donc à l'intérieur de la mitochondrie, ou multiplier le nombre de mitochondries. Donc plusieurs types d'exercices peuvent avoir les mêmes conséquences. Sauf que, effectivement, c'est très dur. De faire des protocoles où vous allez avoir 50 personnes, leur donner deux programmes d'entraînement et d'aller faire des biopsies et de faire des comptages de mitochondries, etc. Donc je suis même pas sûr que ça existe. À la limite, c'est un truc que je pourrais regarder pour voir s'ils ont déjà testé, pour voir si c'est ça l'explication, entre guillemets, de les deux types d'entraînement, même si ils n'ont pas les mêmes formules, ont les mêmes conséquences. Et du coup, c'est pour ça que les deux marchent, donc du coup, les deux, il n'y en a aucun qui est mauvais. On s'en rendra peut-être compte, mais ça revient pour le VO2 max. En faisant des choses très intenses, à répéter, ça revient à une quantité d'énergie qui fait que de toute manière, la cellule, en fait, s'adapte derrière. Mais alors, maintenant, d'un point de vue appliqué, si je vais faire des sprints pour faire un marathon, bah, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui ne va pas coller, on l'a bien compris. Le volume total, par contre, ne va pas marcher. Et puis, à un moment donné, c'est comme si on raisonnait que sur le VO2 max. Ça, exactement, ça c'est vrai aussi. Il y a une certaine spécialisation à avoir. Ceux qui font du marathon, par exemple, il y a aussi certains mécanismes qui ne s'entraînent qu'avec certains types d'exercices. Des efforts très longs nécessitent des grandes réserves en glycogène, une bonne scission, une bonne glycogénolyse, etc. Donc avoir plein de glucose mobile ou mobilisable à partir de glycogène. Donc tout ça ne s'entraîne pas par exemple avec des sprints. Le nombre de canaux qui transportent du coup tout ce qu'il faut et le nombre de tout l'appareil enzymatique nécessaire pour casser le glycogène par exemple s'entraîne plus avec de la zone 1, zone 2 qu'avec des efforts intenses. Performance au marathon, c'est un VO2, être capable de maintenir un pourcentage de VO2, être capable de tenir aussi la chaleur, supporter la douleur, la motivation. Il y a tellement de paramètres que de toute façon, pour être spécifique, il faut faire du spécifique. Et là, on ne va rien réinventer. C'est comme ça que ça marche. Mais scientifiquement, pour développer des qualités, ah oui, effectivement, tu pourrais être en dessous ou au-dessus. Et est-ce que ça fonctionne? Bon, plus d'ailleurs au-dessus. Voilà, merci d'avoir écouté cette masterclass jusqu'au bout. J'aimerais beaucoup que vous noyiez Didier de remerciements pour le temps qu'il nous a accordé. Sinon, pour encourager ce genre de démarche, n'hésitez pas à soutenir en commentaire. Si vous avez appris des choses, faites-le savoir et j'ai hâte d'avoir vos retours. D'ici la prochaine fois, est-ce que le monde de l'entraînement aura abandonné la notion de filière au bénéfice de la notion de continuum? Je pense pas, mais bon. Ça va pas nous empêcher de bien nous entraîner, alors entraînez-vous bien. À la prochaine. Et faites des heures de sel. C'est ça la conclusion. Mais du coup, je l'ai laissé son message jusqu'à la fin, évidemment. Effectivement, très bon boulot, très bien résumé, très clair. Il a réussi à avoir une personne effectivement très claire et très sympa pour en tant qu'invité. Donc ça, c'est vraiment super bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce principe vous a plu, et que du coup. Si vous avez encore des questions après ça, n'hésitez pas à me les poser. Allez, attendez, je vais remettre du coup le lien vers la vidéo ici pour aller effectivement l'inonder de pouces bleus et de commentaires sur la vidéo. Tous les gens qui prennent du temps pour expliquer, etc. Des choses compliquées pour les vulgariser et essayer de faire arrêter certains mythes comme l'acide lactique, et du coup, de nous permettre d'emmener plus vite, d'augmenter la cinétique pour envoyer au bûcher plus vite tous les gens qui parlent d'acide lactique. Ça fera progresser le débat. Et du coup, d'ici la prochaine fois qui est demain matin, contre la montre par équipe à 10h20, d'ici là, portez-vous bien, bonne soirée, et surtout, surtout après une vidéo comme ça. Restez curieux, ciao ciao!